Et bonsoir à tous et bienvenue sur la boutique Retro Gaming, je suis Jay, je serai votre hôte ce soir comme tous les mercredis. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un agréable début de semaine et que vous êtes toujours en vacances si c'est toujours le cas. Bienvenue aujourd'hui donc sur la boutique qui sera un live un peu spécial. D'habitude on fait de la rétro-suggestion, mais j'ai cru comprendre en regardant les différents messages que vous avez besoin de plus de précision sur la console, les produits et la manière dont ça fonctionne. Merci la boutique Retro Gaming pour le like qui est probablement caché derrière un autre streamer. Salut à tous, salut Jim, salut Sébastien, salut tout le monde, salut. Installez-vous tranquillement, on va donc parler de, un petit peu de la Retrobox. Donc moi je vais parler de la Retrobox 4, mais c'est la même chose pour la Retrobox 8 et pour toutes les autres Retrobox. On va parler un petit peu technique et de ce que vous allez recevoir, etc. Je rappelle que la console ou n'importe quelle autre console est disponible sur le site boutique-retrogaming.com et que vous pouvez avoir une incroyable réduction si vous utilisez le code promo J10JAY10. Merci Nostalgym pour le like, installez-vous tranquillement, on va parler de tout ça tout de suite. Je vais pas faire de transition magique parce que avant toute chose, sachez que quand vous recevez votre colis, vous avez donc votre console etc. dedans, et les premiers messages que je vois dans les entraides c'est j'allume ma console et ça ne marche pas, il y a rien, il se passe rien du tout. Donc fouillez correctement dans votre paquet, il y a ce petit truc là, une petite clé USB. Voilà, cette petite clé USB, vous la branchez. Salut Judge Fred, merci pour le like. Salut Laetitia, merci de votre présence, vous êtes trop choupi. Donc cette petite clé qui se trouve dans votre paquet, vous savez peut-être pas à quoi elle sert, mais en fait elle contient le système de votre console. Elle ne contient pas les jeux, elle contient le système. Vous devez donc la brancher comme pour n'importe quelle voiture ou je sais pas quoi, pour démarrer votre console. Il faut qu'elle soit branchée dedans avant de l'allumer. Vous branchez la clé USB et vous la laissez brancher constamment. Ensuite, voilà. Ça, il faut que je parle de ça. Alors. Ce truc-là, là, c'est fourni dans votre paquet. C'est une notice d'utilisation. Si j'en parle, c'est parce que je vois également un nombre incalculable de personnes qui posent des questions sur « Oui, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça, etc. » Lisez, il y a beaucoup d'informations dedans. Il y a des tutoriels, il y a des vidéos, il y a beaucoup de choses, etc. Lisez vraiment la notice. Vous allez probablement trouver la réponse à votre question avant de venir poser des questions sur les groupes d'entraide. On va passer sur, non pas la console, mais sur l'ordinateur, parce que l'autre question la plus posée, c'est « Oui, j'ai un problème, mon système ne démarre plus, etc. » Donc, généralement, ce qu'on va vous dire, ce que tout le monde va vous dire, c'est il faut reflasher votre clé. Reflasher la clé, c'est pas compliqué. Je vais le faire immédiatement là, sous vos yeux ébahis. Pourquoi je vais faire ça? Parce que bah, il s'avère que moi, ma clé, elle fonctionne très bien, mais j'en ai fait une autre qui, elle, ne fonctionne plus. Donc, du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer comment ça marche. Et donc, merci Sébastien pour le like et bienvenue sur le live. Donc comment on va faire ça? Eh ben je vais passer tout de suite sur l'ordinateur et vous expliquer comment ça marche. Transition magique. Et voilà. Alors, comment ça marche? On va enlever ça déjà. Il vous faut un logiciel qui s'appelle Balena Etcher. Il est marqué ici, mais je vais vous le redire. C'est B-A-L-E-N-A-E-T-C-H-E-R. Balena Etcher. Vous allez là. Vous téléchargez ce logiciel, voilà, ça ressemble à ça. Vous téléchargez le logiciel, il est déjà installé chez moi, donc du coup je vais pas le refaire. Salut Ludo, comment ça va? Je vais pas le refaire parce qu'il est déjà installé chez moi. Donc vous téléchargez ce truc là et vous téléchargez également Batocera, batocera.org. Vous allez sur ce site, il y a ce truc là. Donc là on est actuellement sur la version 34. Vous cliquez là, ça télécharge le truc. Vous choisissez pour... Alors où est-ce qu'il est, pour ordinateur, c'est la version de base, voilà, c'est celui-là, X64. Vous sélectionnez celui-là, ça va le télécharger, voilà, moi je l'ai déjà, donc du coup on va pas le faire. Une fois que vous avez téléchargé Balena Etcher, que vous l'avez installé, Batocera Linux, que vous l'avez juste téléchargé, ne décompressez pas, vous le téléchargez, vous lancez Balena Etcher, paf, ça ressemble à ça. Vous branchez votre clé USB dans votre ordinateur, donc je le fais immédiatement, paf, voilà. Ici la clé elle est branchée, vous faites flash from file et vous allez charger votre Batocera, voilà, qui est là, IMGGZ, vous téléchargez, vous cliquez dessus, ce que vous avez téléchargé, vous sélectionnez la clé USB que vous venez de brancher, celle-ci, et vous faites flash, très facile. Vous laissez le truc, alors ça me demande un droit, voilà, je sais pas si vous l'avez vu, mais ça me demande un droit particulier, vous faites valider et... Du coup, voilà, vous laissez le truc travailler et pendant ce temps-là, je vais vous parler d'autre chose. Donc la notice. La notice, dedans, on vous explique
comment fonctionnent les interfaces. On vous explique comment reconfigurer votre manette. J'ai vu qu'il y avait énormément de questions sur la manette et tout. Ouais, mes boutons, ils marchent pas très bien, tout ça. Vous reconfigurez la manette. Je vais le faire de toute façon sous vos yeux pour vous expliquer comment ça marche. Mais c'est marqué dans la notice. Voilà, ici. C'est marqué dans la notice. Vous lisez bien tout. Il y a toutes les informations. Ça vous explique. Là. Là, ici, là. Ici, c'est le début. C'est le début de la notice. Je le dis parce qu'il y a plein de gens qui posent la question dans les groupes d'entraide et qui râlent. Après, en disant, oui, j'ai fait la mise à jour, il n'y a plus rien qui marche, aidez-moi, machin, c'est pas normal d'avoir payé 1000 balles pour une console et tout. Les gars, c'est marqué dans la notice, ne faites pas la mise à jour. Pourquoi faut pas faire la mise à jour? Tout simplement parce que la console, elle a été paramétrée, elle a été testée avec une version très particulière. Ça a été configuré pour ça. Si vous changez la version, si vous faites une mise à jour, même si ça vous propose une mise à jour, si vous changez la version, ça ne marchera plus. Ou peut-être pas. Ou alors, enfin bref, ça, il va se passer un truc qui n'est pas prévu. Et à partir du moment où c'est pas prévu, c'est pas compris dans la garantie. C'est marqué dessus. Ça fait sauter la garantie. Ne faites pas vos mises à jour. Je vous en supplie. Si vous ne savez pas ce que vous faites, ne faites pas la mise à jour. Je sais que ça propose de faire la mise à jour. Ne la faites pas. Pourquoi ça propose la mise à jour? Bah parce que c'est Batocera en fait. Et que Batocera, c'est un système qui est open. C'est un système open source. Il est totalement décorrélé de la boutique. D'accord? Donc c'est pour ça que ça propose des mises à jour. Ne faites pas les mises à jour, vous allez perdre les configurations. Salut Gary, merci pour ton like, bienvenue. Donc ne faites pas les mises à jour. Je continue de faire le flash. Mais vraiment, je vous le dis, je vous le redis, ne faites pas les mises à jour. Vous vous en sortirez beaucoup mieux. Donc ça explique également dans la notice, mais vous la lirez. Hein. Ça explique également comment on fait pour ajouter une manette Bluetooth. Donc pour ajouter une manette Bluetooth, ce n'est pas intégré directement dans la console. Il faut ajouter la clé. Il y a une clé qui est marquée Bluetooth qui est dans votre paquet. Vous branchez cette clé, il faut que ça soit branché. Et une fois qu'elle est branchée et connectée sur votre console, là, vous pouvez synchroniser vos manettes en Bluetooth. Donc ça, c'est pour les questions les plus répandues. Après, la question la plus répandue qu'il y a régulièrement, c'est comment on fait pour ajouter des jeux. Déjà, quand vous aurez éculé, parce que oui, c'est un mot, je vous laisserai regarder ce que ça veut dire, éculé les 8 teras de jeux disponibles dans la Retrobox 8, je pense que voilà, vous avez déjà de quoi faire, mais vous pouvez éventuellement avoir envie de rajouter des jeux. Vous aviez un jeu dans votre enfance, il vous fallait ce jeu là en particulier, et malheureusement, malgré les 8 teras d'espace disque, il n'y a pas votre jeu ou pas dans la version que vous voulez, etc. Vous pouvez rajouter des jeux, mais pas directement dans la console. Comment vous faites? Eh bien, vous flashez une clé, comme je viens de le faire là sous vos yeux, vous flashez une nouvelle clé. Et vous utilisez cette clé pour faire votre propre système. Avec votre propre système, vous êtes capable de mettre vos propres jeux dedans, dans votre clé. Ou alors votre propre disque dur, c'est le même principe. Vous faites un disque dur à côté, mais vous avez votre propre clé. Et du coup, vous flashez votre propre clé avec votre propre disque dur. Et à ce moment-là, vous pourrez rajouter des jeux. Il y a une vidéo dans les tutoriels, c'est marqué, lisez dans votre notice. Vraiment, vous allez voir, il y a un lien qui vous montre comment faire pour ajouter des jeux. C'est marqué dedans. Donc regardez bien ça, et c'est tout expliqué sur comment on fait pour rajouter des jeux, et vous pourrez rejouer au jeu de votre le jeu de votre enfance, celui qui vous tient le plus à cœur. Je vais pas vous le montrer là en particulier, parce que j'ai pas vocation à vous montrer comment on fait pour télécharger un jeu, mais sachez que un jeu, ça s'appelle une ROM. Donc si vous voulez télécharger une ROM pour PlayStation par exemple, vous tapez télécharger ROM PlayStation et là vous avez un milliard de suggestions. Je vous laisse regarder vous-même, puisque ça, vous êtes responsable de ce que vous faites. Sachez-le les enfants. Salut Jean-Claude, comment ça va? Installez-vous tranquillement. On parle un peu technique là, c'est un petit peu chiant, mais ça me semblait important de... Je flash la clé USB, oui. Je suis en train de le faire justement pour vous montrer comment ça marche. Donc tu pourras regarder la rediffusion du live si vraiment tu veux revoir tout depuis le début. J'explique étape par étape comment on fait, puisque j'essaie de répondre aux questions les plus fréquentes que j'ai vues donc sur le Discord. Il y a un Discord qui est dispo pour la boutique Retro Gaming, et sur le groupe d'entraide qui est également sur Facebook. Donc j'essaie de répondre à ces questions-là. S'il vous plaît, faites la part des choses.
le groupe d'entraide et le Discord sont de l'entraide, c'est communautaire, c'est-à-dire qu'on s'aide entre utilisateurs et entre clients. Ce n'est pas le SAV, s'il vous plaît, faites la part des choses. On s'entraide entre nous, ce n'est pas le SAV. Si vous avez des questions sur vos livraisons, des retards, des machin, je suis pas content, je vais être remboursé, tout ça, SAV, ça ne concerne absolument pas la communauté. Si vous voulez contacter le SAV, c'est Messenger sur la page Facebook sur laquelle on est actuellement, ou alors par mail, contact@boutique-retrogaming.com, uniquement là. Tout ce qui est groupe d'entraide, Discord, etc., c'est entre nous pour parler de jeux, pour parler de comment faire pour avoir un paramétrage un peu plus spécifique sur un jeu, comment faire pour trouver tel ou tel jeu, ou je me souviens, tel jeu, il était vachement bien et tout. Ça, ouais, ça, il n'y a pas de problème pour les entraides. Tout ce qui est ma commande, mon truc, je veux savoir quand est-ce que va sortir la Win 600, c'est pas là-dedans qu'il faut demander. Vraiment SAV, mail, téléphone et Messenger de Facebook. Voilà, s'il vous plaît, essayez de différencier, parce que personne ne pourra vous aider sur la communauté, et c'est hostile pour tout le monde en fait de dire ah ouais, moi je suis pas content, il y a machin qui marche pas et tout. Est-ce que vous avez juste lu la notice? Il y a un jeu qui marche pas, c'est marqué dedans comment faire pour le faire fonctionner. Il y a toutes les solutions dedans. Vraiment, vraiment faites la part des choses entre l'entraide, le SAV quoi. Voilà, donc là, la clé USB, c'est terminé, vous voyez. J'ai un petit, le petit point vert qui dit que c'est OK. Là, il y a une notif, vous la voyez pas, elle est cachée derrière moi, mais il y a une notif qui dit que ça a été fait correctement. Une fois que c'est fait, bah, vous pouvez tout fermer, et puis on va la brancher sur la console. Je vais repasser dans le studio, attention, transition magique. Hop là, j'en profite pour enlever la clé USB, la brancher sur ma console. Voilà, je me rends compte que... Petit problème de lumière qu'il va falloir que je règle. Très bien, ça c'est réglé. On a branché donc là la clé USB sur la console. On va passer sur la console, je vais l'allumer directement. Hop là, et on va passer sur la console. Là, la console, attention. Transition magique, paf. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Le temps que ça démarre, je viens de brancher la nouvelle clé, donc je ne sais pas comment ça va se comporter. Enfin si, en fait je le sais, mais on va le voir directement. J'ai pas de clavier, moi j'ai pas branché de clavier sur ma console. Du coup, faut faire ça sur une autre clé USB ou celle fournie. Si celle qui est fournie, elle ne fonctionne plus et qu'on te demande de reflasher ta clé USB, tu peux le faire sur la clé, tu peux le faire sur cette clé là. Si tu as une autre clé USB, si elle fonctionne très bien, pour éviter d'abîmer ta clé, fais-le sur une autre clé et comme ça tu seras tranquille. On sort, j'ai la dernière fois, à ton stream, tu as passé un jeu sur la Retrobox 4 où tu as dit que c'était des jeux. Que ce jeu était bien. C'était en dernier sur ton stream. Est-il sur la Retrobox 8? J'en sais rien, mais très probablement, ouais. Je sais plus le nom du jeu. Un jeu que j'ai joué lors de mon dernier stream. Alors je me souviens pas déjà ce que j'ai fait ce matin. Alors je saurais pas forcément te répondre, savoir quel jeu c'était. Donc voilà, ensuite on arrive sur cette interface qui est entièrement en anglais. Et là vous voyez, j'ai juste branché ma manette hein. Donc là la manette est branchée. Ah oui, je crois savoir en fait ce qui pose problème. C'est ça le problème, voilà. J'ai réglé le problème de lumière. Donc ça branche la manette, j'appuie sur la manette, elle vient d'être branchée. Et là, c'est directement le paramétrage. Donc c'est, visiblement ça fait n'importe quoi au moment où j'ai appuyé. Donc c'est très bien parce que du coup je vais refaire le paramétrage. Vous appuyez juste sur les boutons qu'on vous demande d'appuyer. Bon là je vais faire un peu n'importe quoi parce que visiblement ma manette, j'ai fait des mouvements de manette. J'ai fait des mouvements de manette qui vont pas. Ça va être compliqué, mais ok. Je peux pas valider avec ce bouton là. Ah, je vais être voilà. Ah, ouais, mais je vais pas pouvoir refaire. Alors, on va refaire quand même du début. Donc, bouton A. Ah, ouais, mais j'ai mis des axes partout. Ça a fait n'importe quoi. Ça, au moins, les trucs ils sont dans le bon sens. Ça marche pas. Ça marche. Ah, ouais, c'est un axe. Ah, la validation est sur l'axe moins. Génial. C'est pas grave. Voilà, ok. On va refaire le paramétrage. Donc je vais dans contrôleur. Ah oui, il faut valider avec. Donc je fais start. Je vais dans contrôleur. Salut David, merci pour ton like. Il y a la rediff, effectivement. Il faudra voir sur la rediff du coup. Je vais là et je vais dans contrôleur mapping. Hop, yes. Et c'est parti. J'appuie sur un bouton et je refais. Hop. J'appuie sur les boutons qu'on me demande d'appuyer.
ça se passera très bien. Right, oui. L2, j'ai appuyé sur quoi? Ça y est, j'ai encore ma manette qui a fait des blagues. Je vais régler le problème tout de suite. Donc L2. R2. L2. L3. Et voilà. Et R3. Ça y est, ma manette est bien configurée. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez bien configuré votre manette comme ça, mettez-le ici, là, pour valider le truc. Mettez votre contrôleur. Vous choisissez pour Player One. C'est pas important, mais ça règle quelques problèmes. Donc faites-le quand même. Voilà. Ensuite, là, vous voyez que tout est en anglais. C'est pas très grave. La console, elle est en français, elle. Mais du coup, là, je ne suis pas sur le disque dur. Là, si je quitte le truc, vous voyez que j'ai plus aucun jeu. Genre. Je vais dans All Games. Il me reste 13 jeux parce que c'est les jeux qui sont inclus directement sur la clé. Comment je fais pour éviter ça et récupérer tous mes jeux? Eh ben, je vais aller dans System Settings ici et je vais descendre. Et là, il y a Storage Device. Et là, je choisis mon disque dur. Back. Là, on me dit, il faut faire Reboot Required to Apply the New Configuration. Salut Xavier Bonnel, merci pour ton like, bienvenue sur le live. Tu fais Quit, tu fais Restart, paf. Et là, normalement, on récupère tout. On récupère tous les jeux, on récupère le thème, etc. Alors moi, je l'ai changé, le thème par défaut, donc on va voir le même thème. Mais au moins, on va voir ce truc-là. Ah oui, alors l'écran vert, ça, c'est ma carte d'acquisition qui fait ça. Vous, normalement, vous aurez pas d'écran vert. Normalement, ça se passera sans problème. Ma carte d'acquisition, elle chauffe un petit peu et du coup, elle a tendance à enlever des couleurs des fois. Mais il y aura pas le souci. Donc là, je viens de tout réinstaller en gros. Mais aucun souci, ça va très très bien se passer. Je suis extrêmement confiant. Petit chargement, vous voyez déjà on a récupéré la couleur. Super une vidéo comme ça, il en fallait une depuis le temps. Beaucoup de gens ont ces soucis-là, exactement. C'est pour ça que je fais ça. J'ai vu ça dans tous les groupes d'entraide, donc je vous reparle des groupes d'entraide. Il y a le groupe d'entraide sur Facebook, il y a un groupe d'entraide également sur Discord. Les groupes d'entraide ne sont pas des SAV, s'il vous plaît. Si vous voulez contacter le SAV, téléphone, mail et messenger sur Facebook. Le groupe d'entraide Facebook et le groupe d'entraide Discord... C'est pas la même chose. Faites uniquement en communauté pour les groupes d'entraide. Et voilà. Et là, j'ai récupéré tous mes jeux. 84 466, donc les 4 Tera que j'avais. Quand je commanderai le disque dur 8 Tera, on pourra refaire ça. Donc là, je récupère tout. Hein. Donc là, j'ai même récupéré les thèmes. Voilà, si je vais là, ici, il y a tous les thèmes. Je vais pas rechanger parce que ça m'intéresse pas trop, mais voilà. Le paramétrage de la manette, je vous ai montré. Si jamais c'est passé en anglais, parce que on sait jamais, c'est dans paramètres système que ça se passe et vous allez dans langue et là vous changez la langue, vous mettez dans la langue que vous voulez. Je vais pas le faire parce qu'à chaque fois que vous changez la langue, il faut redémarrer et que on a autre chose à faire. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour des questions les plus posées là-dessus. Est-ce que les manettes PS4 fonctionnent? En gros, toutes les manettes filaires, en théorie, c'est censé marcher. Si elles sont en USB, c'est censé fonctionner. En Bluetooth, pareil, hein, vous branchez l'adaptateur Bluetooth, c'est censé fonctionner. Il n'y a pas forcément une compatibilité à 100% sur tous les contrôleurs, mais il y a une très grosse compatibilité, c'est très très bien géré. Merci, Happy Calazel, pour ton like, bienvenue. Par curiosité, tu sais à quoi servent les mages? Bien sûr, je sais à quoi ça sert. C'est l'équipe de Bateau Serra qui fait son possible pour maintenir à jour plus d'émulateurs, régler des bugs dans certains émulateurs, mettre à jour certains émulateurs, du support de certaines manettes, certains écrans, etc. C'est Bateau Serra qui fait des mises à jour. Mais sauf que quand tu dis mise à jour, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire corriger un problème, mais ça peut vouloir dire apporter son lot de problèmes. Le problème, c'est que quand Bateau Serra fait son truc, eux, ils ont testé par rapport à leur version à eux et tout ça, et donc ils mettent ça dans la nature, et donc sur toutes les versions de Bateau Serra. Sauf que Boutique Retro Gaming, eux, ils ont contrôlé par rapport à leur configuration à eux, donc ils ont fait leur propre changement, etc. Et c'est dans le disque dur. C'est pour ça que là, j'ai plus rien à faire, en fait. Tout a déjà été paramétré, c'est dans le disque dur. Vous comprenez la différence. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire les mises à jour. Si vous faites la mise à jour, vous téléchargez la dernière version et vous perdez les configurations. C'est ça le truc. Là, moi, je l'ai fait sur une... J'ai installé une nouvelle clé. Et la nouvelle clé, elle est sur Bateau Serra 34. Et ma console, je sais qu'elle est compatible Bateau Serra 34 parce qu'on l'a fait, en fait. Merci du renseignement. Mais je t'en prie.
Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme, comme question pour jouer en ligne, il faut bien évidemment brancher sur internet, éviter de faire les mises à jour, parce que je sais que Batosera vous les propose, mais éviter de faire les mises à jour. Et vous avez dans la notice, c'est marqué comment on fait pour jouer, il y a marqué Netplay là. C'est expliqué, vous avez même un lien avec une vidéo qui vous explique comment c'est fait. Merci JD Jiménez. En fait, c'est dingue parce que cette vidéo, je sais qu'elle va être utile, alors que en vrai, vous avez déjà toutes ces informations, elles sont là-dedans en fait. À part la clé USB. C'est vrai, il n'y a pas les informations de la clé USB, c'est pour ça que j'explique tout. Mais toutes ces informations, vous l'avez là-dedans. On peut revenir à l'ancienne, le reboot à zéro. Non, tu ne peux pas. Si, dès que tu as fait ta mise à jour, c'est terminé. Il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière. Mais c'est le cas sur toutes les consoles. Merci Ivan Bitoznik pour ton like, bienvenue. Ivan, c'est vrai. C'est comme quand tu fais ta mise à jour sur PS5. Une fois que tu as fait ta mise à jour, tu peux pas revenir en arrière. S'il y a des bugs, c'est terminé. Il y a même pire en fait. La Switch par exemple. On vous force dans les jeux à mettre à jour. Ce qui n'est pas le cas dans les jeux rétro, on vous forçait pas ça. Mais quand t'es sur Switch, tu branches un nouveau jeu, on te dit il faut que tu passes la mise à jour. Et il y a un truc, il faut que vous sachiez comment ça fonctionne les mises à jour sur Switch, c'est que non seulement tu télécharges le truc et que ça dure une éternité, mais ça c'est un autre problème. Mais surtout, il y a un composant matériel à l'intérieur de la console qui crame quand vous faites une mise à jour. C'est prévu, c'est fait exprès par la console. Ce composant crame. Pourquoi ça fait ça? Parce que en fait, à l'intérieur de la Switch, ils ont mis ces composants qui crament. C'est pour contrôler que tu ne fais pas de retour en arrière de version. Parce que justement, ils ont corrigé des failles, ils ont évité qu'on leur pirate leur console. Et donc du coup, ils font cramer exprès matériellement un composant pour que quand tu mettes une mise à jour à l'ancienne, ça vérifie le nombre de composants cramés. Si c'est pas celui qui est paramétré par la version, la console ne démarre pas. Voilà, ça c'est prévu directement dans la Switch. Donc du coup, là, c'est les mêmes problèmes que vous allez avoir par rapport à tout ce qui est mis à jour en fait au niveau des consoles. Là, je sais qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai mis à jour ma Switch, le dock ne fonctionnait plus, donc je n'étais plus capable de mettre à jour ma console. Je la branchais sur le dock, ça ne s'affichait pas sur la télé, c'était uniquement sur la Switch. Et ça c'est l'enfer en fait. Et donc du coup t'es obligé d'attendre qu'il y ait une mise à jour. Il y a eu une mise à jour, heureusement ça a été corrigé. Mais t'es obligé d'attendre en fait ce truc là. Donc tu peux pas, tout ne peut pas être contrôlé comme ça. Donc vraiment les mises à jour, ne faites pas les mises à jour. Ça fonctionne très bien comme ça. Si vous faites la mise à jour, vous êtes responsable, donc la garantie est annulée. Je vous le redis, c'est marqué dedans. C'est marqué dans la notice. Petite question, si jamais il faut encore reflash la clé, il faut encore acheter une nouvelle clé? Non. Tu dois supprimer le bateau Serra précédent avant de reflash, non? Il n'y a pas besoin en fait, vraiment, tu branches ta clé USB, peu importe la clé que tu utilises, hein, tu branches ta clé USB. En fait elle fait un peu office de fusible, c'est un peu le problème. C'est comme c'est elle qui contient le système, à force de jouer, à force de faire des sauvegardes, etc. Ton système en fait il enregistre de l'historique. Et au bout d'un moment, bah, une clé à force de faire des lectures et des écritures, bah il est possible qu'il y ait des corruptions en fait. Ça arrive, tu vois. Et donc du coup, c'est un peu la clé USB qui prend. Donc quand tu la reflash, tu remets tout à zéro. T'effaces cette historique, t'effaces ce genre de truc. Et cette clé USB, bah, pour la flasher, en fait, il l'écrase complètement. Au moment où tu passes par Balena, en fait, vraiment, il prend l'image par défaut et il écrase la clé USB telle que dans l'état qu'elle est. Il s'en fout de savoir ce qu'il y a dessus. Elle écrase tout en fait. Donc tu peux prendre la même clé USB et la flash à l'infini si tu veux. Tu peux en prendre une nouvelle si tu veux, mais le seul intérêt que tu aurais à prendre une nouvelle clé USB, c'est si jamais par exemple Batosera sort une version 35 là dans les jours qui viennent, tu veux tester la 35 sur ta console, tu veux voir ce que ça fait, même si on vous le déconseille, tu veux le tester, tu te fais une nouvelle clé en Batosera 35, tu te fais cette nouvelle clé, et cette clé en Batosera 35, tu la testes avec la nouvelle version, et la clé qui était en Batosera 34, tu la gardes. Et elle te permettra de démarrer ta console avec la Batosera 35. Mais tu devrais avoir des blagues quand même. Merci Steven Hein pour ton like, bienvenue sur le live. Salut Roi, comment ça va? Donc ouais, tu peux le tester comme ça, mais vaut mieux que vous attendiez, ou alors si vraiment vous avez des gros problèmes, vous avez un vrai besoin et qu'il faut passer sur la 35, vous avez contacté le SAV par mail, par téléphone, par messenger, mais surtout pas dans le groupe d'entraide ni le Discord.
contactez le SAV si vraiment vous avez un problème avec votre console, ils sont là pour ça en fait. Vous pouvez contacter le groupe d'entraide si, oui j'ai rencontré tel truc, est-ce que vous savez de base s'il y a, si ça a déjà été corrigé, etc. Mais, est-ce que vous savez à peu près quoi faire, ou est-ce que vous savez pour tel jeu, comment je fais pour passer ça, ouais c'est des trucs qu'on peut demander à la communauté. Si vous avez un problème réellement avec votre console qui est lié à la conception même de la console, là, dans ce cas, c'est SAV. Vous avez un problème matériel avec votre console, vous avez un problème de livraison et tout ça, là, c'est SAV. C'est dire, oui, je voudrais savoir quand est-ce que je vais être livré. Le groupe d'entraide, personne pourra vous répondre, en fait. Ça sert à rien. Je pensais que c'était un logiciel à installer directement. Bonne référence du fusible. C'est un logiciel, en fait, tu l'installes, reprends le... Merci pour le partage, Ludo, c'est très mignon, merci de partager le live. Des gros bisous à toi. Tu télécharges deux trucs, tu pourras regarder la rediff du live, tu télécharges deux trucs, tu télécharges Baleine Hatcher qui te permet de flasher la clé et tu télécharges l'image donc Bateau Serra 34 qui est l'image du système de base, tu vois. Il y a 13 jeux dedans et c'est vraiment pour tester en fait, c'est pas le truc qui a été configuré de base. La vraie configuration et tout ça, c'est dans votre disque dur. Donc à moins que vous ayez un problème vraiment avec votre disque dur, il est cramé, vous avez shooté dedans, j'en sais rien, et vous avez cassé un câble, ce truc là, vous êtes capable de reflasher la clé, il devrait pas y avoir de soucis. Mais contactez le SAV quand même, dans le pire des cas. C'est pas grave, je me suis souvenu après, Yvan, désolé. Les jeux installés sur la RetroWix seront les mêmes pour tout le monde, même si je l'achète dans plusieurs années par exemple. Non, si tu l'achètes dans plusieurs années et qu'il y a une RetroBox, ça aura encore évolué. Il faut savoir que la boutique en fait met à jour régulièrement ses configurations, ses jeux. Mettre à jour, ça veut dire qu'il y a des jeux qui sont enlevés, il y a des jeux qui sont ajoutés. On le fait, en fait, la boutique fait en fonction des retours. Je sais pas si vous avez vu sur le groupe d'entraide, la boutique communique beaucoup là-dessus. Ils envoient des listings avec oui, on aimerait que vous nous disiez quel jeu vous avez des problèmes, par exemple. Parce que du coup, c'est testé, vous les testez de manière empirique, vous les testez, vous testez plus de jeux que la boutique, c'est normal, vous êtes plus. C'est une petite boîte la boutique, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Il n'y a pas beaucoup de personnes, c'est une petite boîte. Donc du coup, tester tous les jeux, ça reste de l'émulation, c'est compliqué. Donc vous avez ce pouvoir en fait de tester les jeux et de dire, bah tiens, ça c'était mon jeu d'enfance. Là je me rends compte que... En fait, je galère avec le jeu. Je sais pas, il se lance pas, il a jamais marché. Je sais pas comment faire. Là, ouais, la boutique vous a demandé en fait quel jeu ne fonctionne vraiment pas. Et soit ils seront enlevés, soit ils seront remplacés. Ça arrive que des fois il y a des jeux qui sont corrompus sur 4 téra de données. Ouais, il y a forcément des trucs qui passent à la trappe quoi. Sur une grande TV 4K, il y a aucun ralentissement parce que quand je branche sur mon PC gamer portable, il y a la TV, il y a vachement de input lag. Alors je joue pas sur une télé 4K, je peux pas te dire. Je sais que j'ai vu beaucoup de joueurs jouer sur des télé 4K, ils ont changé les paramétrages aussi pour avoir des graphismes 4K qui n'ont pas de problème sur les Retrobox 4 et 8 qui sont plus puissantes. Il y a pas de problème pour monter la qualité. Moi là sur mon écran, ça me sert à rien. Donc je pourrais pas répondre vraiment à ta question s'il y a de l'input lag ou pas. Je sais que de manière empirique, les gens qui ont testé sur des grands écrans et qui ont fait des paramétrages sur les Retrobox 4 et 8, ils ont pas de problème. Sur les deux, j'ai vu qu'il y a des gens qui disent ouais, je comprends pas, je mets ma console, j'ai un grand écran, ça marche pas bien, etc. Ou l'écran il est pas affiché correctement. Ça après c'est du support d'émulation, etc. On peut essayer de trouver des trucs dans le groupe d'entraide. Le SAV des fois ils ont les réponses. Mais il faut tester. Malheureusement, c'est pas compatible forcément avec tous les écrans. C'est censé l'être, c'est de l'HDMI, donc c'est censé l'être, tu vois. Mais bah des fois, il y a des écrans qui sont pas compatibles. Ils ont des paramétrages particuliers. Ils ont une fréquence de rafraîchissement particulière. Donc du coup, ça te fait de l'input lag. Faut voir. Très bon conseil comme d'habitude. J'écris pas souvent, mais j'essaie de regarder un max tes vidéos. C'est très gentil. Merci Matt Simon ou Matt Simon, je sais pas comment dire. Merci Matt. Par exemple, moi, Simpson Hit and Run, j'ai jamais réussi à le lancer. Bah tiens, regarde, très bien, ça, c'est très bien parce que ça répond à une question. Simpson Hit and Run, moi j'ai aucun problème, je l'ai déjà lancé. Mais par contre, alors je sais pas si sur GameCube ça va marcher, si on peut faire ça. C'était sur GameCube le problème ? Je crois qu'il est là. Je sais que je l'ai déjà lancé, mais je sais plus sur quelle plateforme j'ai lancé. Celui-là, je l'ai déjà lancé.
Donc là, j'ai rien fait. Je viens de réinstaller la console, donc normalement, c'est le paramétrage par défaut. On va regarder quoi. Les démos qui se lancent en arrière-plan, c'est toi qui as réglé ou c'est automatique? Alors, c'est automatique, sauf que moi, j'ai réglé pour que ça soit plus court. Parce que c'était trop long en fait. Mais en fait, sachez, quand il y a les vidéos qui se lancent en arrière-plan, vous pouvez en fait appuyer sur Start pour lancer le jeu directement. Mais j'ai réglé des trucs pour que ça soit plus rapide en fait. Parce que sinon, le timer, il était trop lent. Pas PS2 aussi. Je sais pas, généralement, quand t'as un gros jeu comme ça, il est que sur une plateforme. Tu vas l'avoir ou sur GameCube ou sur PS2, mais tu vas pas l'avoir sur les deux parce que ça prend de la place en fait. Donc avoir deux fois le même jeu avec. Finalement, il y a très peu de différence. Tu vois. Par exemple, même si tu prends un Metal Gear Solid qui est sorti sur GameCube et sur. Ça se lance ou pas, genre? Il est très long le temps de chargement. Si tu lances un gros jeu comme ça, par exemple, oui, je disais Metal Gear Solid sur PS2 et sur GameCube, il y a 2-3 détails qui changent dans le jeu, mais rien de transcendant quoi. Bah alors, ça veut pas. Alors, je vais regarder justement. Ça a pas l'air de. J'y ai déjà joué. Hein. Ah, j'ai un problème avec ma manette. J'ai tellement joué à ma manette, avec cette manette là, que du coup j'ai mon bouton qui reste bloqué. Ça reste bloqué ici, toi aussi t'es bloqué ici. On va regarder un truc. Je vais regarder un truc, mais là j'ai eu un problème avec ma manette surtout. Ah, puis là j'ai fait n'importe quoi, je l'ai lancé, je l'ai quitté. Dans quel état j'ai mis la console là? C'est bon. Ok. Tu vas là-dedans, alors là tu vois, pour lancer le jeu t'appuies sur croix, donc là je reste appuyé et du coup j'ai ce menu là qui apparaît. Tu fais configuration avancée du jeu, tu vois tout est en auto là. Des fois tu peux changer des trucs. Alors là je suis en mode vidéo. Quand c'est le jeu au démarrage, non c'est pas là. Alors là du coup il n'y a qu'un seul émulateur sur GameCube, je vais regarder s'il est pas sur PS2. Je sais que je l'ai déjà lancé ce jeu, mais je sais plus sur quelle plateforme. Je regarde s'il est pas sur PS2 et peut-être ça va juste régler le problème, tu vois. La PS2. C'est où? Ah, c'est là. Tac. Simpson. Hit and Run. Je sais que j'y ai déjà joué, hein. C'est sûr. Mais j'avais peut-être remplacé la version. J'ai dû remplacer la version. Alors, des fois, ça arrive, tu vois. T'as une ROM qui fonctionne pas. Donc là, j'ai pas de solution, là. Tout de suite. Là, la solution que j'aurais éventuellement, c'est de remplacer le jeu. Il a l'air de bloquer. Je vais le chercher, tout simplement, sur Internet, et je le remplace. Et après, plus de problème. Il faut trouver une version qui fonctionne, quoi. Faut être patient, il se lance. Je sais que je l'ai déjà lancé, mais c'était peut-être sur une autre version. Attention, moi je suis sur Retrobox 1. C'est ça, il y a eu des trucs qui ont bougé. Ah, j'ai fait évoluer moi, j'étais sur un rétro un, j'étais sur une 1 aussi avant quand j'y avais joué. Du coup, peut-être que sur le disque dur 4 Tera, il est peut-être corrompu, il est celui-là. Mais du coup, c'est pas un problème. S'il est corrompu, on change le jeu et voilà quoi. Comment faire pour mettre les jeux FR, les synopsis des jeux? Est-ce que tu as un exemple en tête? Parce que il y a des jeux tu peux pas. Patiente à l'écran où t'étais. Ouais, je vais laisser. Hein. Mais j'ai très peu de patience moi. Ça vous savez. Hein. Je peux essayer ça aussi. Ça marche pas, d'accord. J'essaye un truc. J'ai pas de patience. Mettre les Simpson en français, bah là faut changer le jeu, je pense. Pour le mettre en français. Mais la dernière fois, quand j'y ai joué, moi, il était en français. Hein. Il y avait les vraies voix d'ailleurs. Il y a les vraies voix dedans, d'ailleurs. Il est long à lancer. Ouais. Ouais, mais peut-être que tout simplement, il fonctionne pas. Hein. C'est possible. Ça peut arriver. Je le remplacerai. Peut-être que sur les disques durs de 4 Tera, il marche pas. Mais je sais que j'y ai déjà joué. Mais je pense que c'était sur mon ancienne console. Bon, il doit être corrompu. C'est trop long. Il devrait pas être aussi long à se lancer, je pense. Donc là le jeu doit être corrompu, il faudra le changer.
Tu parles de ce synopsis là, là, c'est ce qui est marqué là. Tu voudrais que ça soit marqué en français. Là faut refaire un scrap pour que ce truc là il soit en français, et je suis pas sûr que je suis pas sûr qu'on l'aurait quand même, même avec un nouveau scrap. Exemple, un autre exemple par exemple. Les jeux MAME, voilà. Ça je sais que souvent vous avez des problèmes avec les jeux MAME. Bah c'est toujours le même souci en fait, c'est juste une histoire d'émulateur. Genre j'ai. Alors je vais pas lancer un. Je vais pas en mettre un en pif là. Je vais faire ça là, tac, 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 et paf, c'est parti. Je lance Funky Fish. Bah il va se lancer, vu la tronche du jeu, il va se lancer. Voilà, bon il s'est lancé. Mais admettons, admettons il se lance pas. Admettons tu le lances et ça fait ça là. Bah tu fais, tu restes appuyé sur croix, t'arrives là-dessus, configuration avancée du jeu, émulateur, t'en choisis un autre, tu testes, voilà, on teste MAME, paf, tu quittes, tu relances, et là ça lance avec MAME. Et puis bah voilà, là ça se lance. Mais des fois c'est pas le bon, tu vois, donc tu quittes, tu relances le truc, et puis voilà quoi. Voilà, tu testes des trucs, des fois il y a ça, le mode vidéo aussi, des fois... Des fois, il suffit de baisser la résolution. Je sais que moi, j'avais eu des jeux comme ça, j'avais réglé le problème en baissant la résolution. J'ai tout laissé en auto parce que globalement, en auto, ça marche. Mais j'avais eu des soucis, genre des jeux... Attends, c'était quoi le dernier coup, là? Il y a un jeu qui s'était pas lancé, je crois que c'était sur PlayStation. J'ai le nom, là, Metal Gear Solid. Ah ouais, mais c'est le plus joué. On peut pas voir l'historique. Normalement, il y a un truc d'historique, mais je crois que je l'ai enlevé. Alors ouais, que je vous explique un peu le truc. Quand tu fais start, là il y a plein de paramètres. Hein. Je vous laisserai fouiller, mais sinon lisez la notice, c'est expliqué comment ça marche. Il y a un truc, par exemple pour, je crois que c'est dans l'interface. Afficher l'horloge, afficher l'aide, c'est pas ça. Nom des ROM, on s'en fout. Alors c'était pas là-dedans, collection des jeux peut-être. De toute façon, groupe les collections sans thème. Alors oui voilà. Là par exemple, là-dedans t'as système à afficher. Et là t'as des trucs, donc t'as des consoles que tu peux planquer par exemple. Là tu vois toutes les consoles. T'as ça, potentiellement tu peux cacher. Et t'as les collections automatiques. Et là, voilà, par exemple, t'as les jeux auxquels j'ai jamais joué. Les trucs où tu peux mettre des succès rétro, parce que bon, on peut mettre des succès, des jeux de pistolet par exemple. Et il me semble qu'il y avait un truc. Voilà, dernier jouet. Donc je dois avoir un truc, les derniers jouets, quelque part, qui doit être affiché. Vu que c'est une collection. Voilà, jouer récemment. Et donc là, j'ai l'historique des trucs que j'ai lancés. Metal Slug 2, c'était celui-là le jeu que tu trouvais cool le dernier coup? Metal Slug. DuckTales, peut-être. On l'a là, l'historique. Micromaniacs, peut-être. On l'a là, l'historique, du coup. C'est ça, les derniers jeux auxquels j'ai joué. Tu peux mettre donc tes favoris hein, qui sont ici, ça sera plus facile à retrouver. Alors ça c'est pas mes favoris, mais c'est les favoris de base. Et puis là t'as tous les jeux. Tous les jeux. Si tu vraiment tu veux voir toute la liste de tous les jeux, là c'est compliqué. Les jeux PS3 peuvent être mis en 1080 ou trop gourmand. Je sais pas s'ils sont pas déjà en 1080. Je laisse tout en auto moi de toute façon. Et puis comme je te dis sur mon écran, je crois pas que ça ait de vraie incidence. De toute façon, vous sur le live, je peux pas vous le retranscrire. Ça sert à rien pour moi de le passer en 1080 parce que de toute façon, le live est limité en 720p, donc ça changera absolument rien. Mais normalement, vous pouvez le faire. Ouais. Bah vous lancez le truc comme ça, vous allez dans configuration avancée du jeu et dans mode vidéo, vous forcez le truc en 1080 60 Hz, et du coup voilà, PS3 c'est 720, voilà, c'est ce qui est possible, mais vous pouvez le forcer, ça agrandirait le truc. Après, est-ce que ça se lance correctement? Bah ça, y a que vous qui allez le savoir. Est-ce que tu as Skull Monkeys? C'est quoi Skull Monkeys? C'est sur quelle plateforme? Je connais pas. Après, moi la console marche très très bien. J'ai pas eu de problème, et sur les trucs où j'ai des problèmes, bah j'en place le jeu en fait. Et généralement ça règle le souci quoi. Juste voir si ça rame pas. De faire quoi? Je comprends pas ce que tu veux. PS1. Skull Monkeys PS1. Je regarde.
Alors, il est là. Yes. Ça me dit un truc ça. Retrobox 1 également, jamais eu de soucis. Ouais, voilà, mais après c'était sur mon ancienne console, j'avais augmenté le. J'avais fait tourner. Il n'y avait pas la Wii à l'époque et j'avais fait tourner la Wii dessus. Ça tournait bien. Et après, bah, je suis passé sur la Retrobox 4, donc je me suis jamais posé la question, tu vois. Mais voilà. Là, bah là il y est, ouais, mais je suis sur Retrobox 4. est-ce que j'ai répondu à toutes les questions ou est-ce qu'il y avait d'autres trucs? Je regarde hein, si je vois des trucs en particulier. Un jeu se lance pas, c'est dedans. Comment faire pour changer le CD? Alors changer le CD, j'avais fait une démo. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai fait le speedrun Metal Gear Solid d'ailleurs. Pour pouvoir faire la démo. Changer de CD, c'est pareil, c'est pas compliqué. Hein. On va le faire alors, vite fait. Je vais lancer Metal Gear Solid. Comme ça au moins ça va répondre à la question. Jouer à plusieurs, oui. Tu peux brancher des manettes, tu peux brancher un hub également si tu veux. Et faut configurer les manettes, vous configurez les manettes comme j'ai fait le dernier coup là. Et puis du coup bah ça devrait régler le souci. On est parti en mode speedrun Metal Gear Solid, c'est vraiment pour vous montrer, c'est pour de la technique hein, toujours. Alors faut que je me souvienne comment on fait pour speedrun le bordel. Changement de CD sur GameCube, c'est pareil, même principe. Insert disque 1. Ah bah tu vois, bah, j'ai même pas besoin. J'ai lancé le truc, il y avait déjà le disque 2, donc très bien. Comment je fais? Je fais hotkey plus X, j'arrive là-dedans, et vous descendez tout en bas, il y a contrôle du disque. Vous faites contrôle du disque, vous faites charger un nouvel. Éjecter le disque, voilà. Et là, vous voyez, numéro du disque actuel, paf, je mets 1. Insérer le disque. Voilà, plateau fermé. Press start button. Je presse le start button. J'ai même pas besoin de speedrun le jeu, il me le fait direct dès le début. Et là le jeu se lance. On va quand même le speedrun pour vous montrer que ça marche pareil avec le. Dans l'autre sens avec le CD2. Sur GameCube on n'a pas accès à ce menu. Hotkey plus X? Ah bon? T'es sûr? Sur GameCube, attends, c'est quoi qui est en 2 CD sur GameCube? GameCube je l'ai pas eu moi donc je connais pas. Par contre il me faut un jeu où il y a 2 CD. Autrement ça n'a pas de sens. Je suis arrivé en cours mais comment t'as fait pour changer de jeu? Le retirer de la clé et prendre un autre. Comment j'ai fait pour faire quoi? Je comprends pas ta question Matt. Metal Gear sur GameCube. Metal Gear sur GameCube. Il a aussi 2 CD. Alors. Metal Gear Solid, celui-là là. Ah oui, effectivement, là il y a les deux qui apparaissent. Bonne question. Je sais pas s'il y a le menu. Alors je crois qu'il se speedrun pas de la même manière. Celui-là. Je sais pas si on peut si ça marchera le speedrun. Je vais déjà essayer de le lancer, on verra. Qu'est-ce qui est dingue, Nostalgym. Alors. Est-ce qu'il se passe un truc déjà? Ça se trouve j'ai un problème juste avec ma GameCube en fait. Je joue pas à la GameCube. Donc parce que là j'ai pas l'impression. Là c'est planté là. J'ai pas l'impression que ça soit lancé là. Ah! Est-ce que j'aurais pas un problème de. Attendez. Je crois que ça s'est lancé, en fait, fallait juste que je sois patient. Si un jeu déconne, comme les Simpsons tout à l'heure, comment tu le changes du coup? Un site particulier, je peux pas parler des sites, mais j'ai expliqué comment on faisait pour trouver des jeux. Les jeux sur internet, ça s'appelle des ROM. ROM.
Donc tu mets télécharger ROM et tu cherches ton jeu et voilà. Mais je peux pas vous dire parce que je rappelle, hein, le téléchargement de jeu c'est illégal. Il faut que vous possédiez les jeux. Ça, ça fait partie de votre. Ça fait partie des trucs. Ok. Ah! En fait, le menu hotkey plus X, il met en pause le, il met en pause le jeu. D'accord. Donc tu peux pas faire ça comme ça. Alors ouais. Est-ce que ça marche ça? Ça, ça marche. D'accord. Safety, ça marche. Alors c'est une très bonne question. Effectivement. Là, on risque d'avoir un petit problème de... un petit problème de changement de changement de disque. Je vais regarder. Je regarde des trucs. Ça, j'ai pas accès. Screenshot, ok. Là, j'ai rien. J'ai changé la config des shaders. Là, j'ai fait le load, ce qui est normal. Ça, je peux pas faire. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait reset, normalement. Ah ouais, et puis en plus, comme j'ai changé de shader, est-ce que j'ai pas tout flingué? Supprime de la clé USB, disque dur, les fichiers sont faciles d'accès. Tu le supprimes de la clé USB, disque dur, les fichiers sont faciles d'accès. Alors, tu peux accéder directement au disque dur de... Merci Saito Yaraga pour le like. Bienvenue sur le live. Tu peux accéder au disque dur directement, sauf que, pareil, tu fais sauter ta garantie si tu fais ça. Ça, c'est laisser au SAV pour le faire. Parce que, bah parce que si vous faites n'importe quoi, que vous effacez tout, bah du coup, vous allez dire, je comprends pas, mon disque dur il marche pas, et vous allez devoir le renvoyer, et donc du coup, vous allez payer des frais. Donc le faites pas. Salut de rien. Pour le site, je reconnais, c'est pas le souci. Juste pour changer la ROM de la console, je voulais savoir. Ouais, pour changer la ROM, tu peux le faire, hein. Techniquement, tu peux le faire. En fait, c'est les paramètres, le paramétrage par défaut pour y accéder, via un WinSCP, un truc comme ça. Les paramétrages, c'est les identifiants par défaut. Je vous les donne pas volontairement pour éviter de vous donner les clés. Vous n'êtes pas chirurgien si vous voulez. Vous voyez, je vais pas vous donner un scalpel pour aller casser le truc. Donc, si vraiment vous voulez modifier les trucs de votre disque dur, je ne le vous conseille pas. Je vous conseille plutôt de faire un autre disque dur à côté avec votre jeu, plutôt. Mais si jamais vraiment vous voulez changer les trucs, les identifiants, c'est les identifiants par défaut de Bateau Serra. Je vous laisserai chercher. Alors par contre, ouais, là où on peut avoir une blague là, c'est que on peut pas changer le CD comme ça. Ah, je vais tester un truc. Ça je peux pas faire. Ça je peux pas faire non plus. Ça c'est les slots, ok. Ça marche pas non plus. Le changement de disque sur GameCube là, ça va pas être la joie. Est-ce que peut-être avec une mise à jour. Quand peut-être sur Bateau Serra 35, ça sera réglé. Je ne sais pas. Je pourrais pas vous dire. Là, la solution. Est-ce qu'il y aurait une solution possible? Parce que là, avec la save state, ça me paraît compliqué. Il faudrait faire une sauvegarde sur carte mémoire. Peut-être comme ça. Ah mince. Je vais le relancer. Je vais le relancer, je vais voir si je suis capable de faire une sauvegarde sur carte mémoire, voir ce que ça change. Et ouais, là c'est un peu plus technique là, effectivement. Pour jouer à Metal Gear, les jeux à 2 CD sur GameCube, apparemment il n'y a pas l'option pour changer. Je crois que c'est pareil pour CDI également, il n'y a pas l'option. C'est dans l'émulateur, mais l'émulateur il n'est pas encore, il est pas au point et personne n'a envie de travailler dessus en fait. C'est un souci quoi. Meilleur streamer, comment va les miens? Salut Ashton, ça fait longtemps, comment ça va? Pour ta question sur les sites de ROM ou les télécharger, ça je réponds pas. Ça je vous laisse faire. Peut-être avec une save classique. Justement, ouais, c'est pour ça que je dis avec une save classique. Mais en fait, le problème des saves classiques également, c'est que ça enregistre. En fait, si tu veux, l'émulateur, si je dis pas de bêtises sur la manière dont il fonctionne, il crée une carte mémoire à chaque jeu. Donc du coup, quand tu changes de CD, et ben il considère que t'as une nouvelle carte mémoire et donc du coup, il va pas trouver ta sauvegarde. Je pense. C'est pour ça que je veux tester ça. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un peu technique, parce que potentiellement ça veut dire qu'il faut rentrer dans la console pour changer le nom de la carte mémoire pour dire que c'est sur un autre jeu. C'est quoi ces menus là, type 2 et tout?
Je les connais pas ceux-là. Le hotkey, appuyer longtemps, ça met pas un menu comme sur Play. Non, justement, justement c'est ça le problème. C'est que sur GameCube, t'as pas toutes les options. Y a pas le menu, hotkey plus X sur cet émulateur-là. Et y a qu'un seul émulateur sur GameCube, de ce que j'ai vu. J'aimerais bien lancer le truc quand même vite. Ouais, y a pas tous les raccourcis. Y a les save state, mais y a pas tous les raccourcis. Ah, et puis j'ai fait hotkey plus X et hotkey plus X ça fait pause. Vite! On n'a pas le temps! On n'a pas le temps! Alors, si je fais. C'était select. Comment? Il est où le select sur. Ça d'accord, ça se joue pareil. Ça c'est la vue première partie, ça se joue pareil. Ça se joue pareil, d'accord. Tac, tac, tac. Comment on utilise le. Ah, c'est Start plus A! Ou Start plus n'importe quel bouton. Oh là là, y a pas de bouton select sur GameCube vraiment. D'accord, donc Start. C'est parti. Ah mais je voulais appeler la meuf des sauvegardes. On peut pas le faire dès le début. Snake, you'll have to crawl to get through. Ah ouais, je m'en fiche. Salut. Et c'est pas croix pour s'accroupir. Ah ouais, les boutons. Oh, je vais être perturbé. Ah, il m'a vu direct. Mais c'est... Attendez. Ça marche quand même, je peux étrangler toujours ou c'est relou. Lève-toi. Je peux pas étrangler. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Pourquoi on peut pas étrangler les gens? Ça va pas du tout. Il y a quand même. Oui, il y a la ration qui est ici. Je peux pas plonger dans la flotte! Mais qu'est-ce que c'est que cette version? Attendez, c'est quoi là? Ça date, c'est toujours un énorme plaisir de voir, c'est trop gentil, merci beaucoup! Ah si, je peux quand même plonger, j'ai eu peur. Mais je pouvais pas plonger de l'autre côté. Comment ça, on est under attack? Personne t'a attaqué là. Mais sors de l'eau, idiot bête! Mais quoi? Mais pourquoi il est débile? Pourquoi il est débile? Sors de l'eau! Oh la fatigue! Pourquoi il est aussi compliqué ce Metal Gear Solid? Alors que sur PlayStation il est facile. Version Nintendo. Ah ouais, mais du coup on est obligé d'avoir des trucs tout nasses comme ça à chaque fois. Je peux pas étrangler les gens. C'est nul. Merci Franck pour le like. J'ai pris 8000 rations là. En plus, il est en mode facile là, du coup. Pourquoi j'ai le droit à autant de rations? Des fois, la carte mémoire est valable pour tout l'émulateur. Enfin, sur Dreamcast, c'est le cas. Faudrait tester en fait pour voir si vraiment. Mais le problème, c'est que je peux pas sauvegarder tout de suite. Mais il m'a vu là. Mais je peux pas les étrangler! Comment on fait pour étrangler les gens? C'est pas croyable ça! Merci Robin Bigman pour le like, bienvenue sur le live. T'es pas habitué à la GameCube, ce Metal Gear est un bijou. Mais non, mais moi je joue sur PlayStation, je me fais chier là. Coucou! Ah ouais, non mais il est injouable! Vous aimez vraiment cette version? Je peux pas l'étrangler, comment on fait pour étrangler les gens? Oh, je m'ennuie. Je peux pas faire de sauvegarde en plus. La sauvegarde elle est trop loin.
Start plus, mais start plus un bouton, ça n'a aucun sens vraiment. Personne ne fait ça sur sa manette quoi. Merci Aïdargir pour ton like, bienvenue sur le live. Chelou la version, mais oui grave. Salut Andy, comment ça va? C'est trop bizarre. Je me fais griller derrière le bazar, je peux pas étrangler les gens. On peut étrangler quand même sur GameCube ou c'est juste sur PlayStation et que le reste du temps je dois me faire chier. Tant pis, on va le faire à l'infiltration, il faut que je passe. Désolé, hein, je râle mais je suis pas habitué à la GameCube et je suis pas habitué à cette version. D'habitude, on est déjà loin dans le jeu là. Ils vont pas prendre mon sandwich quand même si. Coucou. C'est bon. Et ça veut pas. Normalement, il y a l'ascenseur qui est déclenché. Il faut vraiment que je les tue, les gens là. Ah ouais non, c'est A button en fait, c'est pas n'importe quel bouton, c'est le bouton A quoi. Prends-le, bah oui, bah d'accord, mais je veux prendre l'ascenseur mais... Ah, ça me fatigue! Je veux prendre l'ascenseur. Il est où le bouton action? Coucou. Je m'ennuie de ouf. Je peux pas étrangler les gens. Ah, ça me fatigue. Ah ouais non mais la patience c'est pas chez moi. Je m'ennuie là. Je m'ennuie. Putain, j'ai pas d'armes. Je suis obligé de... Ah, oh, c'est chiant. Comment je fais? Comment on joue en fait? Comment on s'amuse? C'est à quel moment on s'amuse? Je sais pas profiter des bons jeux. Mais si, mais ça c'est pas un bon jeu en fait. Je vais vous montrer comment on fait. Parce que vous connaissez pas. Vous connaissez pas la vérité. Faut se cacher, attendre que l'ascenseur arrive. Y a pas besoin de se prendre la tête autant. y a pas besoin. Et déjà, on peut étrangler les gens aussi, normalement, dans le vrai jeu. Ça va pourrir cette version. C'est bien de changer de jeu. Mais oui, elle est pas bien. J'arrive pas à passer le début du jeu, quoi. Alors que normalement, ça va vite, quoi. Allez, vite. Histoire de montrer à quel point, comment ça marche un vrai bon jeu, normalement. Voilà, déjà le bouton il marche là. Coucou. Voilà, on peut étrangler les gens. Voilà. Pas compliqué. Pipou, pipou, pip. Pipou, pipou, pip. Et là je peux plonger dans l'eau. Je pouvais pas le faire sur le GameCube. C'est pas compliqué. Voilà, la ration elle était planquée, elle était pas en train de voler au-dessus du niveau. On peut sortir de l'eau sans problème, on n'est pas obligé d'appuyer sur 7000 boutons. Tu vois, je sors de l'eau, tout va bien. Voilà. Et y a pas besoin d'être caché. Hein. La ration. Voilà, on avait le droit qu'à 2 rations. 5 rations, c'est quoi ça? Jeu de débutant. J'accélère, hein, c'est trop long. Voilà. Vous voyez, l'ascenseur, il est là. J'ai pas besoin d'attendre. Y a pas besoin d'aller se planquer, je sais pas quoi. Regarde, tu peux même attendre là tranquillement et faire ça. Au revoir.
Allez plus vite, on n'a pas le temps. À la base, on voulait juste changer de CD sur GameCube, mais oui, c'était ça. Je voulais pas montrer que le jeu il était mieux sur PlayStation. À la base, c'était pas ça le but. Mais là, du coup, on a le menu. Et là, je peux faire contrôle du disque. Mais effectivement, il y a pas sur GameCube, il y a pas le truc. Mais je voulais, en fait, moi, ce que je voulais, c'était avancer dans le jeu pour pouvoir faire une sauvegarde, pour pouvoir tester le changement de disque. C'était ça l'idée. Mais on est obligé, visiblement, de faire un tutoriel nul où je dois tuer des gens sans armes alors que je peux pas les étrangler. C'est débile. Alors, on retourne quand même sur GameCube. Je vais pas m'énerver. Hein. Je plaisante avec. Mais oui, je sais que tu plaisantes. Ne vous inquiétez pas. Je sais, on rigole avec Ludo. Y a pas de souci. J'ai top. Non mais t'inquiète, c'est une blague. Y a pas de souci. Comment j'ai fait accélérer sur PlayStation? J'ai fait hotkey plus droite. Mais sur GameCube, évidemment, comme la GameCube c'est une console nulle, vous avez pas accès à l'option. Alors, configuration avancée. Ah, du coup, je peux pas changer de. Je peux changer les ratios. Mais je peux pas changer de corps. Il y a pas assez d'émulateurs GameCube en fait. À moins que. Je sais pas si on peut faire ça. Sur. Je sais pas s'il y ait. Le truc. Mais du coup, il va y avoir le même problème avec Soleil Levant. Il est en 2 CD apparemment. Peut-être en faisant une sauvegarde. Attendez. Est-ce que. Je vais tester avec Medal of Honor parce que ça se trouve, il y a une. On peut faire une sauvegarde plus rapidement avec Medal of Honor. Ça bouffe des ressources. L'accélérateur lui-même, non, pas tant que ça. C'est le retour en arrière qui bouffe des ressources. C'est pour ça qu'il me semble qu'il est désactivé par défaut. Mais bon, de toute façon, c'est sur les Retrobox 4 et 8, c'est anecdotique. Hein. Tu peux tester Tatsunoko versus Capcom sur Wii, s'il te plaît. Ouais, je vais regarder ça. Oh, c'est magnifique. C'est des jeux qui sont pas très bien émulés malheureusement. Ça fait partie des risques du métier. Je peux pas passer les cinématiques. Lance le jeu s'il te plaît. Je t'en supplie, c'est trop long. Profil sur slot B. Voilà. Saisir un nom de profil. Je m'appelle Jay. Voilà. Terminé. Sauvegarder profil sur A. Oui, vas-y, enregistre. On va tester ça. Comme ça. Voilà. J'ai déjà une sauvegarde. Voilà, très bien. On va faire le début de la mission, juste histoire de dire qu'il y a un truc enregistré. Et puis, on va essayer de voir si on arrive à recharger le profil en mettant le CD2 directement. Parce que du coup, on pourrait juste passer par la carte mémoire pour changer de jeu, du coup. Est-ce qu'on peut sauvegarder en cours de jeu? Je la connais pas assez, la console. Pépopépopé. Appuyez sur start. Monter sur le pont. Ah ouais, je peux faire une sauvegarde après ou pas? Oh là là, mais qui joue au FPS sur console? Appuyez sur la manette plus pour. J'ai pas eu le temps de lire. Il y a un bouton pour courir. Est-ce qu'on s'ennuie un peu? Si je passe là, je crame normalement. Voilà. Je peux pas aller là. Je peux aller là quand même. Ah! D'accord, il y a des toilettes communes. Eh bah très bien. Tu dors? Eh gros, faut sortir, faut aller sur le pont. S'en fout. J'imagine qu'il faut ouvrir une porte. Je suis où là? Je suis le coiffeur, d'accord. J'ai trouvé comment m'accroupir, j'ai trouvé comment sauter. Ça fait rien, je peux pas ouvrir la porte. Ça doit pas être là. Ah, ça y est, je m'ennuie déjà. Je m'ennuie. Je croyais que la porte elle s'ouvrait par le haut, mais en fait j'étais juste en train de m'accroupir. J'ai pas le temps de m'ennuyer comme ça. Comment on fait les trucs? Ouvre la porte! Faut que je fasse start plus je sais pas quoi aussi là. Je m'ennuie.
Y'a rien qui marche. C'est casse-couille. Ah, ça se trouve, c'est les L. Pas du tout. Ça fait rien du tout. Oh, je m'ennuie. Je vais quitter le jeu dans 3 secondes. Y'a qu'un seul chemin en plus, je parie. Ah non, c'était là. J'allais juste pas au bon endroit, c'était pas une porte qu'on pouvait ouvrir. Allez, mon vieux, sautez. Sauter, oui, mais on peut pas courir par contre. On peut pas courir. On s'ennuie. Oh merde, les coutilles. J'ai trouvé la sortie. Il peut courir lui, moi j'ai pas le droit. Maîtriser l'incendie. Extincteur trouvé, cool. Comment je fais? Ah, c'est la gâchette. L'incendie est pas du tout maîtrisé. Hein. Zen, j'arrive pas. J'arrive pas à être zen, il faut que ça aille vite. C'est pas du tout maîtrisé. Hein. C'est l'extincteur le moins efficace de l'univers. Ah, il faut que je refasse tout. Ah non. Ma pauvre vie, j'en ai marre. Pourquoi, quelle idée de jouer un FPS sur console? Qui a eu cette idée folle? Qui a eu cette idée folle de jouer au FPS sur console? Qui a eu cette idée folle de jouer au FPS sur console? C'est ce sacré nostalgie, sacré nostalgie. Il y avait un autre chemin. Joue en accéléré. Je peux pas parce qu'en plus pour jouer en accéléré il faut appuyer sur deux boutons en même temps donc je pourrais pas jouer. Et en plus sur GameCube ça marche pas. En gros il me faudrait une troisième main pour pouvoir le faire. Je pourrais utiliser mon sgeg mais il est pas assez fort. Voilà. L'extincteur. Magnifique extincteur, le talent. Le talent de l'extincteur. Fallait que j'aille là ou pas? Même pas, je vais juste mourir cramé. Et bah génial. Ça servait à quoi d'aller là? Exactement. Aucun intérêt. Bouge de mon chemin toi! Pas aller là non plus. Oh mais il te faut un extincteur. Ah, j'arrive. Calme-toi. Comment ça, donnez-moi ça. Et moi, je fais quoi? Je meurs. Ça, c'est pas le dire. Non, t'inquiète. Je sais le faire. Je sais dire que mon sgeg est pas assez fort. Pas de problème. Pas de problème. Appuyez sur action. C'est quoi action? Ah, je peux sauvegarder. Ah oui, merci. Adieu. J'ai pas sauvegardé, quel connard. Dis-moi qu'il y a un profil. Il a détecté qu'il y avait un profil. Il le sait, donc ça veut dire qu'il fait partie de la carte mémoire. On va tester direct et on va voir si ça a été si c'est au moins valide. Tout ça pour ça. Vite, je cruel. Mais non, parce que je suis obligé de lancer le jeu, le deuxième CD, malheureusement. Et je mettrai après Tatsunoko versus Capcom sur Wii U. Non, Wii. Wii ou Wii U, je sais plus. Enfin bref. On va y arriver. On va s'en sortir. Oh putain, t'es obligé de te taper les 7000 chargements avec les vidéos. Quelle angoisse. Vous le sentez que j'ai pas pris ma ligne là? J'ai besoin d'un remontant. Oui. Je vais regarder ça. Jeu solo. Recherche de profil sur slot A, sur slot B. Le slot A est trouvé. Ça veut dire qu'on a une carte mémoire unique pour toute la console. C'est magnifique. Ça veut dire que du coup, grâce à la sauvegarde, vous pourrez changer de CD comme ça. Vous n'êtes pas obligé. Vous êtes obligé de jouer correctement. Metal Slug vite. Ah oui, j'avoue. Mais au moins... Au moins c'est fait, on le sait. Il voit notre profil directement ici. Oh
pas de course. Tranquille. Je vous le dis, Jeff finira pas ce live. Non, 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 je suis à moitié en train de me trancher les veines. Mais tout va bien. Je vais survivre. Alors, c'était quoi le Tatsunoko versus Capcom? Un jeu de combat. Magnifique, j'adore ça en plus. Alors, la Wii. Est-ce qu'il faut jouer à la Wiimote? Ou est-ce que la manette classique, ça marche? J'espère qu'à la manette classique, ça marche. Tu as réussi. J'ai réussi à survivre à cette infamie que de jouer à un FPS sur console. Il faut fêter ça. Vite, qu'on m'apporte des tables de blackjack et des... Non, je vais pas finir cette blague. Vous aurez pas la référence de toute façon. Peut-être que si, en fait. Allez. Le jeu. Un petit tombi sur PS1. On m'avait pas suggéré un autre jeu avant? Tombi, c'est long aussi, hein, à démarrer. C'est rigolo, hein, mais c'est long. Je devrais refaire le jeu pour refaire un tuto YouTube. Déjà, quand il a fallu que je fasse l'explication du CD sur PlayStation, je me suis dit, mais quel jeu je connais en multi-CD sur PlayStation? Et quel jeu, surtout, je peux arriver rapidement au deuxième CD sans passer 700 heures? Et donc, du coup, j'ai été obligé d'apprendre un speedrun de Metal Gear Solid pour arriver au deuxième CD. Je l'ai fait, hein. On peut mettre random. Voilà. Parce que j'ai pas. Je joue tout le temps avec Morrigan et Sakura, c'est bon. Random. Voilà. Ipatsman. Alors, les personnages de Tatsunoko, je les connais pas. Ah, bah, on se bat contre nous-mêmes. Super. C'est que des personnages de Tatsunoko, je les connais pas. Prends Ryu. Ah non. Non, non, je préfère prendre Sakura. C'est quoi les boutons? Donc ça, c'est le bouton de coup de poing. Ça, c'est le bouton de bâton. Ça, c'est le bouton de je fais des blagues. Ça, c'est un dash. Ok. Y'a des coups spéciaux quand même ou on va se faire chier? Je crois qu'on va se faire chier. Moi aussi je sais le faire, tiens regarde. Qui c'est qui a fait la technique là? C'est moi je crois. Boum! Je suis qui? Je suis le en blanc avec le yo-yo, moi. Ah, les coups spéciaux, par contre, j'essaie d'en sortir, mais c'est pas ouf. Oh, je me suis fait exploser la tronche! Tiens, mange! Crac! Voilà, la 7ème lombaire. Il n'y a pas 7 lombaires, on s'en fout. Et c'est gagné. Attends, il y a un deuxième perso encore. Reviens. Du coup, je suis en blanc maintenant, avec les ailes dans le dos. Aucun lag, hein. Alors c'était magnifique mais ça servait à rien. Et voilà. C'est gagné. Kula World PS1 ça détend. Ah j'avoue. Petit Kula World. Pas fan des 1v1, je préfère les double dragons. Alors double dragon c'est lent. Du coup c'est on est pas sur le même genre de jeu. Hein. T'es pas en versus fighting, t'es en beat them all. Je sais plus. Shoot them up, beat them all. Il
T'as pas dit un jour que t'as pas aimé les jeux de baston? Si, justement. C'est pour ça. J'aime pas les jeux de baston, mais j'aime bien en fait. En fait, je trouve ça trop long. Mais celui-là, il a assez d'énergie en fait pour que t'arrives à t'amuser. Mais le problème, c'est que tu vois, sortir les coups, ils sont galères. Celui-là, ça va encore. Je m'amuse assez peu sur les jeux de combat. Je les trouve trop longs en fait. Vraiment, j'ai besoin que ça carbure. Hein, tu sais, je suis hyper actif moi, donc il me faut un truc au taquet quoi. Mais si, effectivement, je l'ai dit. J'aime pas les jeux de combat. J'aime pas ça. Après, on a dit quoi, Tombi? J'ai répondu à toutes vos questions, là. Vous avez plus de questions particulières. Je vous ai montré à peu près tous les trucs. J'ai lancé le jeu alors qu'il fallait pas. Du coup, j'essaie de quitter maintenant. Mais j'arrive pas. Un petit Tombi, un petit Kula World. Vous voulez voir quoi? Tekken sur PS1. Lol, il est lent Tekken. Qu'est-ce que je m'ennuie avec ce jeu. Mais vas-y. D'abord, je vais faire les autres que vous avez dit là. Tombi, Kula World. Kula World, je sais pas si je l'ai. Celui. Tombi, je le sais. Tombi, il était rare. En plus, comme jeu. C'était difficile de l'avoir. Le 2, il était plus facile à avoir, mais le 1, il était rare. Killer Instinct, c'est quoi lequel? Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a, si je dis pas de bêtises, t'as Super NES, Nintendo 64. Merci Vesti de la Yacht. Comment ça va bien? Oui. Ce jeu, il est très cool. Il faut passer un peu de temps dessus. C'est un jeu d'aventure. Du coup, on n'aura pas le temps de faire toute l'aventure, mais au moins le début pour comprendre le principe. Alors, il est en anglais. Donc ça, par exemple, pour le passer en français, celui-là, faut le changer. Tout simplement. Faut trouver une version française. Alors, on saute avec ce bouton-là, on fait rien du tout avec ce bouton-là. Ça, c'est le menu. C'est le menu. Ça permet de quitter. Alors, du coup, il est en version européenne, étrangement. Hop, je sais pas s'il est sorti en version FR, celui-là. Je crois que ouais. Je crois qu'il est sorti en FR. Alors, je suis en train de jouer n'importe comment. Parce qu'en vrai, il faut sauter sur les trucs. Voilà. Comment je fais déjà pour utiliser? Pas comme ça. Visiblement. Il y a les fleurs à paix. Tiens, mange! Pipou, pipou, pi. Bon, il me donne une énigme, mais comme vous parlez pas l'anglais, on va laisser en français. L'IA qui traduit. Alors ouais, l'IA qui traduit. Est-ce que je peux le faire là? D'ailleurs, je sais pas s'il est actif par défaut. On va le tester. Où est-ce qu'il est? C'est pas là. Je sais plus où il est le raccourci. Alors, attendez. Je regarde. Fonctionnalité. Tac 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 tac. Traduire. C'est R1. Je crois que je l'ai pas activé. Activer le système parce que je le verrais là sinon s'il était actif, je pense. On va regarder quand même. Faudrait qu'il y ait un personnage qui me parle, genre là. Tu vois, mais comme ça, R1, R2. Non, je l'ai pas activé. Alors attendez, tac, réglage. Configuration, c'est pas là, c'est là, il est désactivé, et du coup, comme il est désactivé, ouais, du coup, je suis en local. Ça, c'est probablement parce que j'ai changé mon service. Service IA, c'est ça, la traduction, mettre en pause, voilà. Donc en gros, là, mode image, là, il faut changer l'URL, du coup,
il faut que vous faut créer un compte. Est-ce que je l'ai est-ce que j'ai expliqué ça quelque part? Ça faut vous créer un compte sur ZTranslate, je crois que c'est. Je me souviens plus. Faut créer un compte sur ZTranslate là-dessus et il faut rentrer l'URL qui vous donne avec la clé d'API, etc. pour activer. Il me semble qu'il y en a une par défaut de base quand vous recevez la console. Mais comme moi j'ai tout réinstallé, bah du coup j'ai pu. Vous l'avez là. Il faut que le service soit activé. Vous avez vu comment j'ai fait ? Hotkey plus X, après j'ai fait rond pour remonter dans réglage. Et dans réglage, vous avez service IA. Et dans service IA, il était désactivé, je l'ai mis en actif. Mode image, ça évite que le truc nous jacte dans la tronche. Ah oui, mince, attendez, je vous montre en plein écran. J'étais là. Alors attendez, on va quitter ça. Hotkey plus X, vous remontez à ce niveau-là, vous allez dans réglage, vous allez dans service IA. Service IA, il était désactivé, vous mettez activé. Ici, vous vous mettez en mode image. Plutôt que narrateur ou parole parce que ça va parler et que ça va être chiant. Et dans URL du service ici, il faut donc aller sur un site qui s'appelle ZTranslate qui va vous donner une URL avec votre compte, vous vous inscrivez. Ça va vous donner une URL avec un code et du coup vous marquez cette URL là-dedans. Ça sera plus facile avec un clavier, hein. Vous pouvez le faire comme ça à la manette mais vous allez vraiment vous faire chier. Et vous renseignez les infos là-dedans et après... Quand ça sera rentré, vous pourrez faire hotkey plus R1 et ça traduira directement dans l'image le texte. Mais moi, il était désactivé, donc je peux pas le faire. Il faudrait que je récupère mon URL de ZTranslate pour le remettre dedans. Voilà, en gros. J'avais Disque Monkey, j'avais zappé. Ah oui. Bon alors, j'ai pas écouté les trucs. Mais on peut aller, normalement, il y a des endroits où on peut aller. Parce que là il m'a filé une énigme mais j'ai pas écouté. Par là j'imagine. S'en fiche d'aller là. Fallait que j'aille là-haut. Faut que je monte là-dessus en fait. Ouais, c'était ça. Paf. Oula. Y'a un chocobo. Mais il existe en version française ce jeu, hein, donc du coup, vous pourrez le remplacer si jamais hein, vous faites votre propre disque dur. Et en vrai, je pourrais aller là. Fait toujours agresser, mais ça c'est un autre problème. Aïe! Je vais mourir. Faudrait que je remange des pommes pour récupérer des points de vie. Il y en avait une là d'ailleurs. Avec un petit cochon. Et là je peux aller dans la maison. Pipou, pipou, pi, je peux pas du tout. Mais voilà, vous avez compris un peu le principe de l'aventure. On va faire Skull Monkey aussi. Ensuite s'enregistrer le compte pour toujours. Oui, une fois que c'est enregistré, ouais. Par contre, il faut le mettre dans le. Faut le mettre là-dedans. Là c'est les réglages globaux, hein. C'est pas les réglages juste de l'émulateur normalement, c'est les réglages globaux. Vous mettez là-dedans et vous avez votre truc, une fois qu'il est enregistré, vous y avez accès partout. Et après normalement tu le déclenches en fait, c'est marqué dans la notice, tu le déclenches avec hotkey plus R1. J'avais la démo dans les magazines. Lequel? Les jeux de 64? Quel jeu? Quel jeu tu veux voir, Corrado Bogani? Désolé, c'était un peu avant, j'avais pas vu ton message. T'as déjà essayé le meilleur jeu de la Terre? Le meilleur jeu de la Terre? On m'a fait jouer à Superman 64. Quelle horreur. Je le connais, malheureusement. Je le connais ce jeu. C'est pas du tout le meilleur jeu de la Terre. Pokémon Or et Argent, ouais, du coup. Ou les Zelda, mais n'importe qui. Mais après, les Zelda, justement, pour éviter que vous ayez le problème, ils sont déjà... Ils sont déjà en français dans la console. Alors c'est dans l'été. Comme tous les jeux sur Super Nintendo. Ils s'appellent tous The quelque chose. Il est là. The Legend of Zelda, A Link to the Past. Vous voyez, ils sont FR, c'est marqué. Kula World. Alors vas-y, Kula World. Parce que visiblement, ça a l'air d'être... une obsession chez vous, Kula World.
Faut arrêter de penser au cul à voir, donc. Alors. Le car. Je suis pas dans le bon truc. Est-ce que je l'ai au moins? Oui, je l'ai. Il est là. Il était sur Demo One, exactement. Il y avait ça, et il y avait un jeu qui s'appelait Glover également, qui est un peu dans le même, même esprit, je trouve. C'est moi seul. Je peux mettre des jeux de 64 si vous voulez, hein, mais pas Super Mario 64 quand même. Ayez un peu de respect pour ma pauvre petite personne. J'essaie d'être cool avec vous, soyez cool avec moi. Ah bah il se lance pas, bah très bien, parfait. Il se lance pas, hop. Alors oui, j'aurais dû vous montrer plus. J'aurais dû vous montrer mieux. Je vais vous remontrer, ça sera plus facile. Si je vous montre comment j'ai fait. Vous restez appuyé sur la croix. Paf, configuration avancée du jeu. Là dans l'émulateur, vous changez, vous mettez autre chose. Il était sur auto. Si je mets en Duckstation par exemple. On va tester avec Duckstation. On sait jamais. Tu testes un truc. Spider de Video Game PS. Mais attends, mais j'ai pas encore lancé Kula World que t'es déjà en train de me parler d'un autre jeu. Qu'est-ce qui se passe? Toi aussi t'as des problèmes d'hyperactivité? Je l'ai pas, il est pas lancé le jeu encore. Deux secondes. En plus quand tu me dis Spider, tu veux dire Spider-Man j'imagine. Je me souviens plus comment on joue. C'est juste ça. Faut rebondir. Je sais plus si on peut marcher sur les côtés ou si on tombe dans le vide. Je me souviens plus comment on joue. C'est long, ah oui, je comprends. Moi je peux pas sortir. Boink. Boink. C'est les premiers niveaux, c'est pour le tutoriel. Spider, sur tout court. T'incarnes une vraie araignée. C'est un live d'hyperactif, moi je suis perdu. Ah ouais. C'est pour ça je pense. C'est pour ça que les gens ils me suggèrent plein de trucs. Je leur dis non, ça c'est non, on va se faire chier. J'ai pas le temps d'attendre les jeux nuls, tu vois. J'ai pas le temps de jouer à Super Mario 64, tu vois. Pas Super Mario 64, à Superman 64, Super Mario 64 avec plaisir, ouais. Mais je fais une étoile. Après c'est trop compliqué. Après on s'ennuie. Faut prendre les bananes ou pas? On va dire que oui. Il reste un fruit. Pas du tout. Il y a une fraise là. La fraise. Ça a l'air dangereux. J'ai le bonus. J'ai tout récupéré là au moins. Apparemment. Salut. On regarde un niveau bonus et on passe à la suite. Incroyable musique. Elle est pas sous copyright au moins, rassurez-moi. Parce que si c'est sous copyright, on va avoir des problèmes. C'est gagné. Pour les scores il faut les clés. Faut que les clés. Ah, c'est pas grave, j'ai gagné quand même. On peut faire une sauvegarde si on veut. Incroyable. Mais on va pas le faire, on a pas le temps. Voilà, donc vous avez vu comment j'ai fait. Duckstation, paf, ça a réglé le problème. Spider donc. Spider sur quoi? PSX aussi. Spider the video game. Le voilà. Dépêche, on s'ennuie. Je fais vite. Je me débrouille. Il y a un autre genre de jeu, Jay. Comment ça, un autre genre de jeu?
Que les genres qu'on a fait, ouais, il y en a plein. Il y a des shoot 'em up, il y a les beat 'em all, il y a les versus fighting, on a fait FPS, on a fait. On n'a pas fait de RPG, on a fait jeu d'aventure, on n'a pas fait de jeu de plateforme, on n'a pas fait de jeu d'arcade, on n'a pas fait de rail shooter, on n'a pas fait de shooter tout court, on n'a pas fait de jeu de stratégie. Bah tiens, un jeu de plateforme du coup là. Je peux pas récupérer les machins qui sont là. C'est un monde en 3D mais qui est en 2D en fait. C'est ça. Je peux sauter ou pas? Allez, tarentule. Je me suis fait mal visiblement. J'ai déjà pris des dégâts. Je peux pas prendre ça. Ah si, mais faut sauter. D'accord. C'est quoi? C'est des jeux à... On peut descendre ou pas? Ça c'est la PS2 à tuner de ouf. Il y a deux PS2 même le mec. Incroyable. Je peux balancer une toile ou... Non. Apparemment pas. C'est des jeux à patoun. C'est quoi ça? C'était la fin du niveau. J'ai fait le jeu là. En fait on connaît ton nom complet maintenant. J'avais pas le temps. Exactement, c'est ça. J'ai trop d'énergie. Et j'ai pas le temps. Si vous voulez m'envoyer un mail, j'ai pas le temps à bit.com. Ah! Je me suis fait tuer par une araignée. C'est fini! Je me suis fait tuer par une fin de loup. Ah bah oui, voilà! Une fin de loup. Avec. Pas Willy Coyote, justement, l'autre. On avait dit le dernier coup qu'on ferait cette fois là. Mais est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? C'est surtout ça le truc qui est important. C'est pas tant le fait de voir des jeux. Je l'ai pas une fin de loup. Ou alors il est sous un autre nom. Comment il s'appelait en version originale une fin de loup? Parce que là je l'ai pas hein. Je crois pas. J'ai pas regardé au bon endroit. C'est son cousin Ralph. Ah c'est ça, c'est Ralph. Exactement. Mais c'est pas Ralph Coyote, c'est un loup en fait lui. C'est pas un... C'est pas Willy Coyote. Il fait pas partie. J'ai pas la patience, exactement c'est ça. J'ai pas la patience. Ça c'est mon deuxième prénom. Mais ouais, l'important c'est surtout d'avoir répondu à vos questions techniques. L'idée du live là, c'était de faire un truc un peu technique pour essayer d'éviter les questions similaires sur les groupes d'entraide ou les questions qui n'ont pas de sens dans les groupes d'entraide et éventuellement le SAV. Je sais pas comment ça se passe au niveau du SAV, mais éventuellement les trucs au niveau du SAV quoi. On peut mettre en français. C'est pas beau ça? Créer un... Mais je m'en fous, j'ai commencé la partie, voilà, j'ai pas envie de faire des sauvegardes, j'ai pas le temps de faire ça. Un jeu infogramme, on touche le fond. Ah merde, tu veux qu'on joue un jeu infogramme? Genre... Les schtroumpfs. Je pensais que c'était Will. Non, Willy Coyote, c'est Bip Bip. Mais là, c'est pas lui. Ah, c'est un autre perso. C'est le nez surtout. Ils ont un peu le même chara design, mais c'est le nez qui change. Et puis même, ils font pas les mêmes trucs. Astérix, ça va encore. Mais Spirou, Marsupilami, les Schtroumpfs, Tintin au Tibet. Ah. L'angoisse, tout ça. Les temps de chargement. Oh, le petit jazz. Comme dans Tasmania. Ça va être une musique sous copyright et je vais avoir des problèmes. Alors. Oh, c'est long. Ça se traîne. On peut marcher à petits pas, mais on peut pas courir.
Ah, j'ai pas le droit d'aller là. Game over. C'est bien la peine de mettre le jeu en français, tiens. Tu n'as pas l'air bien parti. Ah, avec les vraies voix. Je vais t'expliquer quelques commandes du jeu. C'est ça, explique-moi. J'étais bloqué à l'époque. Je savais tuer le gros mec rouge. Le gros mec rouge, quoi, le Père Noël. D'abord, c'est pas le Père Noël. La caméra. Oh, le tutoriel. On doit se taper un tutoriel de l'enfer. Hey, je suis derrière toi. Tu n'as qu'à utiliser les L2 et R2, d'accord. Et R2 pour déplacer. C'est long. C'est long. Ah, c'est marrant parce qu'en plus ça tourne dans le sens inverse de ce que t'as envie que ça fasse. Je vais me casser. C'est ça. Si tu veux me trouver, garde appuyé la touffe. Touche triangle. Pourquoi ? Quel rapport avec la touche triangle ? J'appuie sur la touche triangle. Hein. Il est là. Ah, puis ils l'ont inversé. Tout va bien, l'ami. Ces touffes sont utiles. On bosse rouge avec des godasses blanches. Ouais, le Père Noël. Si tu veux me suivre, et qui ne le voudrait pas, j'ai pas envie. Appuie sur la touffe, saut. Et fais exactement comme moi. J'ai pas envie. Y'a un double saut ou pas? Non. Si tu veux sauter plus haut, reste appuyé. Essaye un double saut. Et tu peux aussi utiliser la touche saut pour plonger dans le vide. Pourquoi je ferais ça? J'ai pas envie de faire ça. Il a pas de barbe, c'est le Père Noël en juin, quoi, c'est tout. Il a pas de barbe en juin, hein, et c'est à partir de juin qu'il se dit bon, les vacances c'est terminé, va falloir commencer et à préparer si les cadeaux, et il se laisse pousser la barbe. Je vais te dire comment gagner. Quand tu franchiras la ligne de départ, on t'accordera un temps limite pour finir la course. J'ai pas le temps de faire ça. Pour respecter ce temps, tu appuieras très vite sur la touche course pour accroître ta vitesse. D'accord, alors vite, si vas vas-y, vite, montre-moi de la vitesse. Suspendu dans les... Vas-y, parfait. C'était ça la vitesse. C'est tout. Ou alors faut que je le spam. Faut que je le spam. Ça marche pas. Ça marche pas du tout. Oh putain. C'est injouable. Ça a marché, je sais pas pourquoi, j'appuie qu'une fois toutes les secondes. Si j'appuie une fois toutes les secondes, ça marche. Si je spam, ça marche pas. Là je spam mais ça marche pas. Donc c'est vraiment ça, faut vraiment pas spammer, c'est une fois de temps en temps quoi. Faut refaire des petits boosts quoi. C'est pas intuitif. Mais j'ai réussi. Le timer marche pas bien mais... Vous sentez que je vais me manger un mur? Évidemment. Comme dans tous les dans tous les cartoons. Je vais pas avoir le temps. Je vais pas avoir le temps. J'ai eu le temps. Incroyable. Je savais que ce défi ne te poserait pas trop de problèmes. Tu retrouveras ton ami Bip Bip plus loin dans le jeu, si tu es assez bon. Mais alors du coup, pourquoi il y a Bip Bip? Puisque lui, c'est Ralph. C'est pas Willy, normalement.
tu peux pas courir. En fait, tu peux courir qu'à certains endroits. Pour réussir à voler un mouton à Sam le chien de Berzée, tu auras plusieurs objets à disposition. Mais il faudra aussi que tu saches PS1. Ah ouais, c'est vraiment, vraiment l'attention, l'attention span de Nostalgie, mais très... On va changer, ouais. On va changer, t'inquiète. On n'avait pas dit un autre truc avant. Catapulté de l'autre côté. Ensuite, saute sur la deuxième bascule pour éjecter le petit... Je regarde. ...sur le bouton pour que la porte reste ouverte. Non, l'araignée on a fait, Kula World on a fait, Bob, Astérix c'était quoi? C'était une suggestion. Overboard je crois que je l'ai pas, il me semble qu'on avait regardé le dernier coup, il me semble que je l'ai pas Overboard. J'avais dit que je le mettrais et je l'ai pas fait. Je l'ai pas. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Team Metal Slug, on a un quart d'heure. Le dernier quart d'heure, c'est bien. Team Metal Slug. Skull Monkeys, ah, ça, là. Omni Monomaniac. Il y a 4 jeux. T'inquiète, je vais le mettre. Je blague avec toi, tu sais bien. Tu l'as la console ou pas, Nostalgeek? Nostalgym. Nostalgeek, du coup, ça marchait bien. Skull Monkeys. Dernier, t'inquiète. Non, mais je m'inquiète pas. On est tranquille, hein. On est là à la cool. De toute façon, moi, mon objectif là, c'était vraiment de montrer comment régler des problèmes, la plupart des questions et tout ça. C'était vraiment mon objectif là. L'objectif, il est atteint. Merci, Fabrice Durand, pour le like. Bienvenue. Voilà, j'ai expliqué tous les trucs qu'il fallait. Vous pourrez revoir le live pour si jamais vous avez des problèmes, pour avoir vos réponses à vos questions. Et le code promo de G10, bien sûr. J'ai commandé fin de l'année la 8. Code promo de G10. Code promo de G10. Code promo de G10. Vous pouvez essayer de G20, mais le code promo c'est G10. La carte expire bientôt, je dois attendre. Je comprends. Faut que t'aies ta nouvelle carte, c'est ça? Ou alors au contraire, fais-le maintenant. Ce jeu me dit absolument rien. On dirait... voilà, c'est Gromit. Je pense que c'est fait exprès. Oh, c'est un jeu à Patoon. On dirait l'Odyssée d'Abe également. Je peux agresser les trucs ou pas? Y a rien qui marche. Je suis mort. Game over. Réunissons pour avoir une vie supplémentaire, d'accord. Allo protège contre un coup, ok. Et après, est-ce que je peux les taper les gens? Je peux rien faire, il n'y a aucun bouton qui fait quoi que ce soit, donc faut juste que je saute par-dessus en fait. On va la ramasser et à tirer. Ah ça y est, j'ai un projectile. Il y avait probablement une possibilité d'aller là-haut. Saute! Pas du tout. Meurs. Voilà. C'est juste un jeu de plateforme. Sauter sur ses points relais. Tiens. Boink. Ah, adieu. C'est tiré de quel univers ça, ça? J'ai l'impression qu'on dirait qu'il y a eu un film d'animation avec ça, mais que ça me dit rien. Il y avait une plateforme, hein, j'ai raté la plateforme. Mais sérieusement. Coucou. Adieu. C'est pas passé. C'est pas facile, hein. En 3 fois ça passe pas. Et tu crois qu'avec la nouvelle carte ça passera du coup en 3 fois, c'est ça? J'ai évité exprès, bien sûr. C'est faux. Ça me fait penser à un truc aussi. Les graphismes. Autre chose que l'Exode Babe. Mais... Je saurais pas dire à quoi ça me fait penser, mais j'ai vu un truc comme ça qui ressemblait. Oh là là.
Ils sont agressifs. Vous êtes agressifs. Voilà, adieu. C'est un die and retry en fait, ça. C'est, mais c'est tout, on fait que ça. Que de sauter par-dessus des trucs. J'ai trouvé un secret, y'a rien dedans. Ah mais je sais à quoi ça me fait penser. Je vais mettre le jeu directement à quoi ça me fait à quoi ça me fait penser. Non, je vais mettre après Metal Slug. Vous allez partir à ce moment-là. Normalement, c'est ça qui vous fait venir, mais vous allez partir à Metal Slug. Voilà. Voilà à quoi ça me fait penser. Eh oui. Eh oui. La musique, sous droit d'auteur. Je vais avoir trop de problèmes si je laisse la vraie musique. Voilà. Et oui, et là au niveau des graphismes, on est sur un truc approchant. Mais on n'est pas sur PlayStation. Et là au moins les passages secrets ils servent à quelque chose. Alors pas celui-là. Alors, on saute comme ça. Ok. Voilà. Et là, au moins, on est sur un meilleur jeu. Il y a un truc caché là. Mais je sais plus comment on fait pour y aller. C'est quoi les boutons ? Ah, c'est triangle. Quoi ? Paf ! C'est pas ça que je voulais faire. Comment on change les boutons ? Voilà. J'essaie de me souvenir des boutons. Il y avait une vie là, je l'ai raté. Je voulais aller là à la base. Il y avait un truc secret normalement, bon c'est pas grave. Ah, ça commence bien. Ça sert à quoi cette mini grotte? Celle-ci elle sert à la fin, il y a une grosse banane. En fait c'est le lore du jeu en fait, la mini grotte là. Elle te montre que tu t'es fait dévaliser de toutes tes bananes. Et que c'est pour ça que ta vie elle va pas bien quoi. Et que c'est pour ça que tu pars à l'aventure en fait. Voilà, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Je vais essayer de vous montrer le truc avec le rhinocéros au moins. Je sais plus où c'est. Ici. Je sais plus où c'est. Il y a un rhinocéros quelque part. Ah bah il est là en fait. Bam. Voilà, c'était ça que je cherchais. Salut Jawa Chatou, comment ça va? La forme. Je trouve tous les trucs secrets, incroyable. On va tricher. Grenouille. Raté. Raté. Je vous ai dit, je vais tricher. Je vais tricher jusqu'à la fin des temps. Et voilà. Si t'as un seul jeu à choisir, tu prends lequel? Metal Slug. C'est pas compliqué, hein. C'est le jeu, c'est à peu près le seul jeu auquel je joue
sur la Retrobox. Je passe ma vie à faire Metal Slug. Cela dit, maintenant que je l'ai fini, maintenant que j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, à part faire le one credit, ça serait un peu abusé quand même. Pas le one credit, c'est le one credit que j'ai fait. C'est pas le one credit que je veux faire, c'est le one life maintenant. One love, one life, you have been a one. Allez, salut. T'as une idée sur le disque dur 8 Tera? Une idée? Comment ça? Une idée de quoi? Le premier, ouais, que le premier, ouais. C'est que le... Mais oui, mais c'est le jeu auquel je joue le plus, hein. Regarde. Regarde... Attends, c'est où? Je sais pas si on peut le voir là-dessus, là, d'ailleurs. Si je vais dans récent, peut-être... Le récent, joué récemment, le plus joué, il y a marqué Metal Gear Solid quand même. C'est quand même Metal Gear Solid sur lequel j'ai passé plus d'heures. On voit les heures passées, tu crois? Alors attends, démonstration. Il nous reste 5 minutes. Je vais pas finir le jeu en 5 minutes, mais. C'est la coutume de terminer par Metal Slug. Enfin, d'habitude, je commence. La coutume, c'est plutôt de commencer par, par Metal Slug, mais. Là, on va faire le Metal Slug, voilà. Est-ce que tu crois qu'on voit les heures passer, à ton avis? Alors, est-ce que j'ai du coup gardé ma config? Est-ce que je suis toujours en une vie? On va voir. J'ai qu'une vie, effectivement. Donc là, si je meurs, c'est game over. Et BDP, il y a encore le sang, tout va bien. Alors, j'ai ma manette. J'ai tellement joué que du coup, ma manette, elle est complètement flinguée. Je le sens déjà, rien que quand je tire, j'ai le bouton qui accroche. Ils ont tous les Metal Slug, oui. Sur toutes les plateformes en plus. Et tu les as même encore sur PS2. Mais je vous déconseille de jouer à la version PS2 parce qu'elle est très lente. Parce que c'est comme ça, la PS2 ne sait pas faire tourner ne sait pas faire tourner Metal Slug pour une raison que j'ignore. C'est comme ça. En gros, pour vous donner une idée de la difficulté du jeu, je me fais toucher, c'est game over. Parce que je ne peux pas mettre deux pièces. Là, le niveau de difficulté que j'ai mis là, c'est une vie. Une vie, impossible de rajouter des crédits. Donc là, si je veux finir le jeu, il faut que je le fasse en une vie. J'ai pas le droit de faire autrement. Le niveau de difficulté par défaut, c'est celui sur lequel je suis là. Tu peux mettre des pièces à l'infini et t'as deux vies par crédit. C'est quoi la différence entre Batocera 32 et Batocera 34? Il y en a plein des différences, parce que t'as deux numéros de version en fait. T'as eu la 33 entre temps, et bah en fait faut regarder toutes les release notes en fait. À chaque fois que t'as une version, faut regarder la release note de ce qu'ils ont corrigé dedans. Donc entre la 32 et la 34, il y a plein de trucs qui ont été corrigés, mais il y a eu plein de nouveaux bugs aussi. Il y a eu des nouveaux supports d'émulateurs, mais après voilà, tu vois, faut citer les jeux qui correspondent, enfin ça représente plein de trucs en fait. 20 minutes la durée, ouais à peu près, ouais. Mais je peux peut-être mourir avant, c'est une possibilité. Hein. Surtout si je fais n'importe quoi. Thank you.
Voilà pourquoi j'ai pas de patience dans les dans la plupart des jeux. Parce que voilà, c'est à ça que je joue moi. C'est un truc où t'as pas le temps d'attendre en fait. Faut faire quelque chose rapidement. Merci à Alexandrich pour le like, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Et t'as passé un bon début de semaine. Pose-toi tranquillement, c'est la fin du live malheureusement. On fait notre une seule et unique vie sur Metal Slug. Oh là bah alors le move a été raté. Tu la quand la 8? Oh, on verra. 3, 4. On verra la 8. Hein. Ça nécessite un peu de travail hein, quand même. Bah alors le move. Dégueulasse. Est-ce que tu crois qu'on les voit du coup les heures passées sur le jeu ou pas? Pas le meilleur pattern mais ça sera suffisant. Imbécile, j'aurais pas dû prendre ces dégâts. Je voulais dire, c'est dans tes souhaits que la 4 suffit peut-être. Bah ouais, la 4 fait largement le taf. Hein. Maintenant, c'est vrai que le fait de vous présenter le truc, vous êtes de plus en plus à me demander des trucs de la 8. Vous parlez de la 8 parce que voilà, il y a eu la nouvelle qui est sortie et du coup, vous voulez forcément voir à quoi elle ressemble. Merci Rodolphe Vance pour ton like, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Donc je sais que vous voulez la voir et il faudrait que je puisse vous la montrer. Mais forcément, ça implique un peu des coups pour vous la montrer. Moi, je veux bien hein, vous la montrer, mais ça implique 2-3 trucs, quoi. Et après, moi, la 8, j'en ai pas forcément besoin, tu vois. La 4, c'est largement suffisant pour moi. Mon objectif, à la base, moi, c'était de remplacer... Ma salle qui est blindée de consoles et de jeux là, et de pouvoir tout mettre sur une seule machine et pouvoir les streamer. Parce que streamer de la Mega Drive c'est compliqué. Hein. Parce que du coup t'es sur une Peritel et que du coup faut faire de la conversion Peritel HDMI pour capturer, ou alors il faut une carte capture en Peritel. Enfin c'est l'angoisse. Enfin, je galère avec ma manette là. Oh là là, je suis pas bien placé en plus, n'importe quoi. Merci Julien Bio pour le like, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. La diff c'est plus de jeu. La diff c'est plus de jeu, oui. Alors plus de jeu, mais c'est surtout plus de jeux récents en fait. Et moi j'ai arrêté de jouer aux jeux. J'ai arrêté de suivre les consoles à la PS2, moi, ça a été ça ma dernière console. Non, c'est pas vrai, j'ai eu la Wii.
et après la Switch, mais je veux dire, j'ai pas suivi le... Ah, je peux pas redescendre. Oh, quel idiot. On va le faire à l'ancienne du coup. C'était très à l'ancienne ce temps. Et voilà. Ouais, PS3, tout ça, j'ai pas suivi en fait. Le truc, c'est que quand il y a eu la, Wii, moi je travaillais déjà depuis super longtemps. J'ai commencé en fait, à travailler au niveau de la PS2. Et donc du coup, t'as plus le temps de jouer quand tu te mets à travailler. Enfin, surtout, ce que je faisais, c'est que moi j'ai fait des études en alternance. Donc je travaillais la journée. Et le soir, je travaillais mes cours, en fait, la nuit, en fait. J'avais des examens le week-end, donc du coup, j'avais juste jamais le temps de jouer, tu vois. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. Donc j'ai pas suivi à ce moment-là. Après, il y a la Wii qui est sortie. J'ai joué à la Wii parce qu'il y avait Guitar Hero et je me suis dit, ah, ça va être rigolo avec les potes et tout. Donc j'ai fait de la Wii. J'ai fait du Guitar Hero sur la Wii. Et après, la Switch, c'était pour jouer dans les transports, quoi. C'est pour ça. C'est ça que j'ai pas suivi en fait. Au niveau du jeu vidéo, je me suis raté à ce moment-là quoi. Donc j'ai pas. Même la PS2, tu vois, je connais pas tous les trucs de la PS2. Donc, peu de trucs de la PS2 finalement. J'ai joué à Kingdom Hearts c'était pour Kingdom Hearts et Devil May Cry. Donc j'avais pris la PS2. C'était ça les jeux de l'époque. Prince of Persia, la trilogie des sables aussi. Oh là là! J'ai pris des gars. N'importe quoi! Il donne un truc lui ou pas? Quoi? Il est sorti d'où lui? Jamais de la vie. Alors là, par contre, il va falloir que je fasse très gaffe. C'est bon. Et non, c'est même pas bon, j'ai même pas récupéré full life. C'est vrai, la Wii U a bidé. Oui, c'est vrai, ouais. Mais c'est pas la seule de. C'est pas la console de Nintendo qui a le plus bidé. Hein. La Wii U a bidé parce qu'en fait, le problème c'est que. Il y avait très peu d'exclus sur Wii U. Il y avait beaucoup de trucs sur la Wii. Le concept de la Wii U était pas mal, mais en fait il y a que ceux qui ont eu la Wii U qui ont kiffé la Wii U. Tu sais, c'est un peu le même problème qu'il y avait eu avec la Dreamcast en fait. La Dreamcast c'est une excellente console, mais ils ont bidé parce qu'elle n'est pas sortie au bon moment. Et la Wii U en fait, ils avaient très peu d'exclus sur Wii U et ça a pas particulièrement bien marché. Mais le plus gros bide de chez Nintendo en termes de console, c'est la Virtual Boy. C'est la pire console qu'ils aient jamais fait quoi. Les gens, ils étaient malades à cause de cette console aussi. La Vita. La PS Vita, ouais, mais ça c'est chez Sony. Mais parce qu'on comprend pas. La PSP ça a très bien marché, mais ils en ont sorti 5 des PSP et c'était la même à chaque fois. Les gars, au bout d'un moment on en a marre quoi. Sortez une vraie console. Il y a la PS Vita et personne sait en fait si c'est une vraie PSP ou si c'est un nouveau truc, mais ça a pas marché. Et je crois qu'il y avait pas un délire aussi où ils voulaient faire full téléchargement, full dématérialisé, et ça c'est un problème hein. C'est un problème chez les gens le démat. Maintenant ça a marché avec les Xbox Game Pass et compagnie où les mecs oh non, j'ai failli mourir. Tada tipou, tada pilou pipou, tada di da di di, mais meurs sinon, voilà. Tada ti da ti,
pour en profiter pour faire ça, voilà, histoire de s'assurer pour le boss. Ça va pas tarder le Dematon Lee. Bah voilà, mais ça c'est un problème en fait. Je crois qu'il y avait ça sur PS Vita, le Dematon Lee, et du coup Et du coup ça c'est un problème, les gens sont pas prêts pour ça. Ça va venir à force avec les Netflix et compagnie. Ça va forcément venir, mais c'est un problème. T'achètes 60 balles un jeu qui est full des maths, psychologiquement il y a un problème en fait. Ah, j'ai pas pris le dégât quand même. Là on va s'en débarrasser parce qu'il m'ennuie. Palapi, palapi, pou. Pirupuripupi. Pirupuripupi. Ah, c'est bon, ça passe. Ça passe, mais il veut pas mourir quand même. Hein. Le décès peut-être, non? J'ai pris un dégât. Mais quoi? Mais pourquoi il meurt pas? Meurs, sinon. Ah, j'ai eu peur. Voilà. Zelda Breath of the Wild. Zelda Breath of the Wild, c'est pas une exclu Wii U, hein. il est sorti sur Switch. Mais il est sorti tard en fait sur la Wii U, et comme il est sorti après sur Switch, les gens ils ont dit bah attends, la Switch, le concept est beaucoup plus intéressant, on va pas faire ça, tu vois. Mario Kart 8 et Donkey Kong, mais ils sont sortis sur Switch. Pas sur Wii U. Ils sont pas exclus. Donc ça a pas marché à cause de ça. On prépare le terrain avec Game Pass Plus Premium. Oui, tout à fait, ouais. Par contre ça arrivera, malheureusement, qu'on le veuille ou non, ça arrivera. Mais c'est dommage parce que ça flingue le marché de l'occasion en fait. C'est un souci. Hein. Bon, voilà, on est allé au plus loin possible. Oh bah y'a un truc là. On est allé au plus loin possible, je vais mourir là. Je sais que je peux le faire, je l'ai déjà fait, mais c'est trop dangereux. Non ! Voilà, je suis mort là. On va arrêter la live de toute façon. J'ai qu'une vie, je peux pas mettre de crédit. C'est la dernière mission, je vais au bout, c'est le boss final du jeu et voilà. Et voilà les enfants. J'espère que ça vous a plu. Oubliez pas le code promo de G10 hein, pour. Transition bizarre hein, un peu, mais oubliez pas le code promo de G10 hein, bien sûr, si la console vous intéresse, pour avoir une magnifique réduction sur votre commande. On était donc là actuellement sur la Retrobox 4, mais sachez que tout ça c'est disponible sur la Retrobox 8 également. Et puis voilà. Aujourd'hui moi j'ai plus de boîte à cause du Game Pass. Mais ouais, mais ça c'est dommage, moi ça m'ennuie le. Merci pour le live, J10, c'est juste le code promo, moi c'est J, hein. Il n'y a pas de numéro dans mon prénom. C'est juste J. J10, c'est le code promo. Code promo J10, les enfants, notez-le bien, c'est important. Voilà, on va arrêter le live là, on se retrouvera peut-être la semaine prochaine. Je ne saurais pas vous dire si on fera un live la semaine prochaine. Si vous voulez me rejoindre sur ma chaîne perso, c'est sur Twitch que ça se passe, c'est Cursware, CURSEDWARE. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions et que tout ira très bien pour vous dans le meilleur des mondes. Voilà, j'espère que vous serez content avec votre console. On va s'arrêter là pour ce soir et puis je vous fais des bisous. Demain, si je dis pas de bêtises, il y a Ayame qui sera en live. Vendredi il y aura notre cher Joey. Le week-end il y a Jivo sur la page anglaise, et puis le mercredi aussi il me semble qu'il va prendre il va faire des lives le mercredi maintenant, Jivo également sur la page anglaise, et puis le père mécanique le
le mardi soir, 19h, heure canadienne, si je dis pas de bêtises. Et bien évidemment, notre Ludo International qui est ici présent tous les lundis soirs. Voilà. Des gros bisous à tous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Comme d'habitude. Ciao.